Là, monsieur, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Info TV, c'est votre chaîne de télévision qui émet à partir du Cameroun, plus précisément à Yaoundé, 24 heures sur 24. Le programme, c'est Libre Expression. C'est le grand débat de dimanche qui revient sur l'actualité saillante de la semaine. Ce dimanche, deux faits saillants nous intéresseront. Tout d'abord, ce qu'il faut désormais qualifier comme étant affaire orange au Cameroun. Que pensez-vous de cette société des téléphonies mobiles, on dit bien téléphonie mobile, qui se positionne de plus en plus comme un organe financier, comme un établissement financier? Avez-vous l'impression que Orange Cameroun aura tout simplement piétiné la réglementation en vigueur dans notre pays? Le deuxième arrêt majeur ce jour nous amènera à parler de l'hémicycle de verre d'Ongoaïkele avec les députés. Que pensez-vous de ces députés de l'opposition qui ont tenté de bloquer une plénière il y a quelques jours? Et pour cause, les textes sont arrivés en retard. Nous avons également un autre député de l'opposition, Joshua aussi, pour ne pas le nommer, qui a estimé que le ministre des Finances, Luipol Mutesi au Cameroun, aura manqué de respect à la représentation du peuple en prenant la parole étant assis ce matin. Nous nous poserons la question de savoir si les députés de l'opposition Geoffrin Jo, ou alors ce n'est qu'un petit théâtre. Et pour en parler, dans le cadre justement de ces échanges, ils seront hommes politiques, ils seront analystes de la chose publique, ils seront experts en décentralisation. De toutes les façons, tous les autres acteurs de la société civile ont droit au chapitre, parce que voyez-vous, c'est du choc des idées que jaillira à coup sûr la vérité. Nous allons commencer par accueillir nos invités qui sont presque déjà tous là. Henri Severin Assembe, bonjour. Bonjour parfait ici et bonjour aux téléspectateurs d'Info Télévision que j'ai du plaisir à retrouver ce dimanche. Henri Severin Assembe est communicateur. Il a démontré ses preuves. Il aborde également plusieurs autres casquettes, mais sera un peu plus reçu ce matin dans le cadre de son expertise ayant trait à la décentralisation. Henri Severin Assembe, si vous vous levez un matin et une grand-mère au village vous pose la question de savoir quel est l'état de la décentralisation au Cameroun, que lui direz-vous? Je lui dirais que l'essentiel a été fait en matière de décentralisation au Cameroun. Et je lui dirais, comme nous sommes dans une culture chrétienne, que tout a été fait par la parole, parce qu'au commencement était la parole, tout a été fait avec elle et rien n'a été fait sans elle. La décentralisation apparaît comme le mouvement qui donne le pouvoir aux citoyens, c'est-à-dire que l'État se réconcilie avec le citoyen et lui donne le pouvoir de la parole pour qu'il transforme le potentiel endogène en valeur et puisse donc créer des conditions qui lui permettent un meilleur être. Cet État a le devoir d'accompagner le citoyen dans cette perspective, mais c'est d'abord au citoyen que revient la perspective de muscler ses bras, de transformer son environnement et de donner corps à la décentralisation. Merci Henri Severin Assembe. Votre expertise nous sera d'un précieux apport dans le cadre de ces échanges. En face de Henri Severin Assembe, c'est un vieux de la vieille sur le plan politique au Cameroun. Lui, c'est Saint-Éloi Bidon. Saint-Éloi Bidon, bonjour. Bonjour, parfait. Merci pour l'invitation. Et ça faisait un peu longtemps que je ne vous avais pas croisé sur un plateau. Et on a voulu me mettre en retraite précipitée. Hein. Non, c'est trop tôt. Et je vous félicite déjà d'avoir pris les rênes d'Info TV, une chaîne qui monte et qui montera encore davantage avec vos prestations. Tout à fait. Saint-Éloi Bidon est cet ancien membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui avait eu le courage, l'audace en affrontant le président national, le Nomgui, le président de la République, Paul Biya, dans le cadre justement d'une élection à l'intérieur du parti. Saint-Éloi Bidon, il faut également dire des années plus tard, je vais parler comme au village, hein, vous avez été presque chassé du RDPC. Ça a été une pilule amère à avaler. Non, j'ai
J'ai été chassé du RDPC, c'est vrai. Faut pas mâcher les mots. J'ai été chassé par ceux qui n'ont pas compris qu'un parti politique doit être dynamique, un parti politique doit évoluer avec son temps, s'arrimer à la modernité. Et comme ils étaient plus nombreux que moi, comme dirait Rousseau, je ne m'incline pas parce que ce que je dis est faux, mais parce que vous êtes majoritaire à penser faux. Donc, ils étaient plus forts que moi, le président de la République ayant perdu, le président national ayant perdu la main, depuis ce que j'ai appelé le push de la Légion qui ah était, bon? Et ayant perdu la main. C'est plus le président de la République qui gère le parti politique. Non, pas du tout, pas du tout. Le RDPC, il pourrait faire comme Jésus, qui ne se souvient pas d'avoir laissé quelque chose qu'on appelle ici le Vatican, le pape, une histoire comme ça. Non. Le président a perdu la main et quelques oligarques ont récupéré l'affaire et le coup d'État a eu lieu dans le parti et ça m'étonnerait que... De plus en plus nous voyons ces coups d'État hein, et le président de la République reste silencieux ou alors comme vous dites si bien qu'il a perdu la main. Vous avez été chassé du RDPC, le professeur Charlemagne, Pascal Charlemagne Massanga Niamdine a subi le même sort. Il a également été chassé du RDPC pour ne prendre que ces exemples. Alors le RDPC est un parti qui prône la démocratie. Cela est d'ailleurs connu de tous, même dans leur sigle. Mais d'où vient-il que, apparemment, les prises de position de certains membres au sein du RDPC dérangent fortement cette formation politique au point de les expulser du parti? Vous avez dit que le RDPC est un parti démocratique à partir de son cycle, non? Le RDPC est devenu un rassemblement de pierres de caisse. Ah donc, bon? Vous comprenez que ça donne bien RDPC, rassemblement des pierres de caisse. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre dessus, sur le rassemblement des pierres de caisse, et un deuxième livre sur le président Biya, la faillite tranquille. Donc, le RDPC est tout sauf un parti démocratique. Parce que pour peu que quelqu'un puisse demander sans se révolter, de toutes les façons, demander qu'on essaye de faire comme on fait ailleurs, vous n'êtes pas bienvenu. Et le président n'a plus de coups de flanche pour pouvoir mener des batailles de démocratie. Autrefois, c'est lui qui nous avait protégés quand on commençait. Mais maintenant, les oligarques sont devenus beaucoup plus forts. Et on attend. Le RDPC mourra avec de sa belle mort. Avec naturellement, nous ne sommes pas venus célébrer la mort du RDPC sur ce plateau. Hein. En face de vous, nous allons accueillir un enseignant d'université. Il est encore jeune, mais déjà professeur pour ce qui est de l'université. Lui, c'est Désiré Claude Noubissi, fait précéder de professeur. Bonjour. Bonjour, monsieur Pafaïsi. Bonjour à tous les copanélistes. Bonjour à vos téléspectateurs. Et également, bonjour à bon dimanche à ceux qui croient en Dieu et que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous. Merci pour cette bénédiction hein, sur ce plateau. Et vous êtes donc psycho-sociologue. Vous enseignez à l'université de Yaoundé 1. Alors, monsieur l'enseignant d'université au Cameroun, qu'est-ce que ça vous fait que nous attendons toujours voir une université, ne fût-ce que parmi les 50 premières universités d'Afrique. Lorsque vous êtes enseignant d'université et que votre université est presque toujours dernière, il n'y a pas une certaine honte de la part de l'enseignant que vous êtes? Bon, je pense que vous allez être servi dans les mots. Est-ce que les universités ne sont pas toujours dernières? Moi, je pense que ces classements-là doivent d'abord donner les indicateurs. C'est-à-dire que à partir de quoi, sur la base de quoi on fait ces classements. Moi, je pense que sur le plan humain, vous critiquez le classement. Je pense vous le remettez que, en cause. Je n'ai pas dit dans ce sens. Je pense que sur le plan humain, sur le plan du personnel, sur le plan de la qualité de la formation, je prends en témoin nos étudiants qui quittent nos universités pour aller à l'étranger. Moi j'ai quitté Yaoundé 1 pour aller faire ma thèse à Lyon. On ne m'a pas rétrogradé. J'ai rencontré plusieurs de mes étudiants là-bas qui n'ont jamais été rétrogradés. Et malheureusement pour nous, qui font partie des meilleurs étudiants dans ces universités étrangères. Bon, je pense que en termes de qualité, en termes de qualité de production, les universités de Yaoundé, les universités camerounaises sont parmi les meilleures. Maintenant, il y a d'autres indicateurs. Il faudra peut-être voir les indicateurs sur le plan infrastructurel, par exemple.
Alors, moi, je pense que, en tant que scientifique, mon travail consiste à expliquer. Alors, quand on essaie de voir les infrastructures étrangères et nos infrastructures, on peut se rendre compte que si l'évaluation ne tient pas compte de l'indice humain, devait tenir également compte de l'indice infrastructurel. On peut observer parfois, à certains détails, ces classements-là qui peuvent ne pas être aussi ceux auxquels on devait s'y attendre. Mais en termes de l'objectif de l'université qui est la formation, qui est l'instruction, moi je pense qu'en termes de qualité de formation, les universités camerounaises doivent recevoir des primes allant dans ce sens-là. C'est ce que vous appelez le patriotisme? Non, c'est pas le patriotisme, c'est la réalité. C'est le chauvinisme, là. C'est la réalité. J'ai dit, je prends l'exemple que j'ai pris, et celui que j'ai rencontré. Il a dit 50 universités, j'ai dit 500 universités. Non, aucune université du Cameroun n'est citée. L'exemple que je prends, sur le plan, l'objectif d'une université, c'est quoi? C'est la production, c'est l'instruction, c'est la formation. En termes de formation, nos étudiants, lorsqu'ils vont à l'extérieur, sont de bonne qualité. Oui, il faut rentrer. Dans quelle filière? Dans plusieurs filières, parmi lesquelles la psychologie. Moi, je prends le cas. Moi, j'ai fait la psychologie. Vous balayez devant votre tour. Voilà. Je prends le cas de la psychologie. Allez faire autant d'enquêtes que vous pouvez faire en termes de formation. Ce sont des formations de très bonne qualité. Merci, professeur. Que Désiré Claude Noubissé, rassurez-vous, Saint-Éloi Bidou ne va pas vous intimider sur ce plateau. Nous allons accueillir le secrétaire général adjoint du mouvement pour la Renaissance au Cameroun, le MRC, le parti que continue à diriger jusqu'à ce matin encore, le professeur Maurice Kamto. Monsieur Noir, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à mes copanalistes. Bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs. J'ai l'impression que quelqu'un a chanté ce qui arrive aux autres peut aussi nous arriver. Depuis quelques jours à Yaoundé, on remarque une pénurie de carburant. Tout à l'heure, je passais par Tradex, Bastos. C'est une file de voitures alignées pour acheter du carburant qui en manque. Par exemple, j'ai eu à faire le tour de la ville pour trouver du gasoil. Donc, continuons à soutenir ces bandits qui nous gouvernent. Ah, oh, et les mots ne sont pas forts. Non, c'est pas fort. Quand vous voulez de l'argent qui appartient à tout le monde, vous êtes quoi? Vous êtes un bandit, non? C'est vous qui posez des questions, c'est vous qui choisissez. C'est cela. Et le coût de la vie devient de plus en plus élevé. Ceux qui se disaient que la guerre dans le Nord-Ouest ne les concernait pas aujourd'hui, ça mord les doigts. Parce que la vie qui est plus en plus chère au Cameroun, c'est aussi l'une des conséquences, n'est-ce pas, de la guerre qui est actuellement dans nos eaux. Parce que ça réduit l'offre alimentaire et sur le plan, n'est-ce pas, de la mécanique de l'offre à demande, les prix grimpent. Et moi, je suis très surpris lorsque c'est en juillet 2022 que le président Paul Biya constate qu'on peut produire et transformer du blé au Cameroun, puisqu'il y a une lettre du secrétaire général de la présidence, oui, qui met à la disposition de l'Irak 10,3 milliards. C'est en plus, si on veut vraiment produire du lait en abondance, est-ce que 10,3 milliards, c'est ce qu'il faut? Deuxième chose, est-ce que c'est l'Irak qui est la bonne institution pour produire du blé au Cameroun? Question, pourquoi on a-t-il à se doubler? Alors que, donc voilà autant de, on comprend que, même sur le plan agricole, il n'y a pas de vision. Le président a-t-il encore été induit en erreur dans le cadre justement? Chaque jour, il est induit en erreur. C'est un humain. Non. Écoutez, si chaque jour vous devez être dû en erreur, ça veut dire que vous n'êtes pas compétent, vous n'êtes pas bien à votre poste, vous devez démissionner. Parce qu'un dirigeant ne doit pas être induit en erreur à chaque coup. Non, ça veut dire qu'il est incompétent. Et la seule chose qu'il faut à ce moment-là, c'est rendre son tablier. Aussi simple que ça. Et l'une des choses aussi qui a attiré mon attention, et je crois que beaucoup de Camerounais le savent encore, c'est une réponse à ce questionnement que nous avons toujours eu de savoir pourquoi est-ce que le président Paul Biya n'accepte pas l'application immédiate et rigoureuse de l'article 46 de la Constitution. Nous avons l'enquête du Nouvel Observateur, un journal français, une excellente enquête qui a été publiée le 7 juillet dernier et qui démontre, qui nous indique que l'office du président de la République, Biya, Franck Biya, pour ne pas le nommer, et son épouse,
détiendrait des biens immobiliers en France. Bon, ça, c'est ce que le journal parisien oui, dit. En tout cas, ce n'est pas une parole d'évangile. Nous sommes d'accord, monsieur Noir. Je vais vous dire une chose. Mm. C'est pas aujourd'hui que nous, Camerounais, savions quand même que le fils du président est installé à Monaco. C'est pas aujourd'hui qu'on le sait. C'est pas le journal qui nous informe. Nous avons les... avant même que le journal ne fasse son enquête. On peut être installé à Monaco avec des biens qui ne font pas problème. Les Camerounais avaient déjà attiré l'attention du peuple sur cela. Bon, lorsque vous avez la première dame qui détiendrait 3 propriétés en France et les documents officiels disent qu'elle n'a pas de profession, est-ce que avez-vous des preuves de ce que vous êtes en train de dire? Vous pouvez interroger vous êtes journaliste, je vous invite à aller interroger le sénateur. Le journaliste a apporté quelle preuve? Je vous invite à aller interroger le sénateur Ménion Ondor. Meunier, quelque chose comme ça, qui serait notaire et qui serait impliqué, n'est-ce pas, dans l'acquisition des biens avec la première... Il y a une enquête qui est publiée par un journal très sérieux en France. Très bien. Voilà. C'est compris. Hein. Il faut ne nous empêcher pas de porter cela à l'attention des Camerounais. Et qui ce Camerounais dit, demande à M. Poubia de faire appliquer l'article 66. Pourquoi il n'applique pas cet article-là? Parce qu'il s'en cache des choses. C'est compris, M. Noir du MRC. On vous dit merci d'avoir accepté notre invitation, le temps d'une transition. Bon retour sur ce plateau et c'est pour prendre l'édito. C'est toujours une signature de Jean-Bruno et Fangonon, l'édito de la semaine. Bien que l'anxiété anime encore certains des parents d'élèves et élèves candidats aux différents examens de la session de juin 2022, après la première vague des résultats, il n'en demeure pas moins élégant et indiqué de souhaiter les vives félicitations à tous les premiers promus et une bonne chance pour ceux des candidats encore en attente de leurs résultats. Ce qui se fait par ailleurs autour d'un bon plat de mouton par le hasard des circonstances parce que Atom Crochu avec la fête de la Tabaski pour dire Barkada Sala, quoique en différé. Une ambiance qui est toutefois écorchée par des subresauts et des agissements prétend à équivoque sur un nombre de personnalités camerounaises sous la gestion de l'État. Pour mieux comprendre le sujet, la convocation de la dernière session parlementaire détaille le cliché et très nettement, à la page du 5 juillet 2022 dans le chapitre du débat sur l'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de désordre. C'est pour vous protéger l'institution que vous incarnez. Dans un esprit animé par des convictions non avouées et des élans à questionner, une poignée de députés, notamment du SDF, PCRN, UDC et UMS, se livrent à un jeu de tape à l'œil, selon une certaine opinion, avec pour action le blocage des travaux au seul moment du passage du ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, sur la question. Non, monsieur le président. Il a le droit. Un membre du gouvernement n'a pas le droit de nous adresser étant assis. Soit il est au pupitre, soit il rend son bureau. Nous ne sommes pas dans un séminaire. C'est tout. Il vient défendre les documents gouvernementaux. Donc s'il doit parler de précis, d'après certaines indiscrétions, le temps apparemment réduit de l'étude et la validation du document irrelatif dû au dépôt tardif de celui-ci est la cause de cette opposition. Une opposition brusque, une opposition fondée ou une opposition contrôlée, forcément, dans ces trois interrogations, une réponse indiquée s'y trouve. D'autant plus que, et aux informations reçues, le document portant sur l'orientation budgétaire ne serait pas le seul à être déposé tardivement sur la table des députés au cours de cette session. Une histoire à tête chercheuse ou une affaire des têtes chercheuses. Une controverse sans doute semblable à la situation de l'entreprise de communication Orange qui s'érige depuis près d'une décennie à une société de transactions financières par le canal absolument très convoité aujourd'hui à savoir Orange Money qui gagne de la place avec la décision signée tout récemment par le ministère des tutelles à son avantage. Une décision qui prête à équivoque au regard des dégâts bon gré mal gré que subissent les Camerounais par cette entreprise en termes de pertes en devises pendant les transactions
transactions financières justement, pour ne citer que les frais de retrait, outre les perturbations du réseau. Une marque de confiance du gouvernement camerounais vis-à-vis de cette entreprise, ceci au dépend de ses insuffisances, ou tout simplement une façon pour l'État de placer mordicus la dite entreprise dans le registre de celle dite entreprise de souveraineté. Voilà en tout cas une autre grosse interrogation qui s'invite ce jour sur la table de votre dîner intellectuel de chaque dimanche, à savoir Libre Expression, servi par le sac de modérateurs et toute son équipe, avec la participation très attendue de ses prestigieux invités. Bon dimanche et à dimanche. Bon dimanche et à dimanche, Jean-Bruno Effangono. Place actuellement au débat. Je commence par Henri Séverin Assembe et nous prenons le premier sujet inscrit à l'ordre du jour, ce blocage qui a failli eu lieu du côté de l'Assemblée nationale. Nous avons reçu tout à l'heure au niveau de l'édito de manière précise. Les députés, certains de l'opposition, ont estimé qu'ils ont reçu les textes tardivement, mais également que le ministre des Finances, M. Motaze, s'adressait aux députés étant assis. Ils n'ont pas apprécié ce genre d'attitude. Première question, M. Assembe, ces députés de la nation sont-ils dans leur rôle? Permettez-moi parfait ici. D'intégrer que nous sommes dans un mouvement démocratique au Cameroun. Et le mouvement des députés à l'Assemblée nationale, tout comme la présentation du gouvernement à cette occasion, rentre dans l'ordre de l'expression démocratique, notamment entre plusieurs acteurs. Vous savez, la démocratie, c'est la rencontre entre les acteurs. Et lorsque vous êtes dans une rencontre entre acteurs, il y en a qui peuvent paraître plus forts que d'autres, il y en a qui peuvent vouloir effectuer des passages en force, il y en a aussi qui, conscients de leur posture, peuvent vouloir exprimer leur position et passer des messages. C'est dans cette perspective que je perçois à la fois l'action du ministre des Finances, tout comme celle des députés dits de l'opposition, qui ont exprimé chacun suivant sa posture, sa façon d'appréhender le mouvement démocratique au Cameroun. Les députés s'appuient sur un ensemble de dispositions normatives qui voudraient que les textes soumis par le gouvernement à leur attention obéissent à une chronologie, c'est-à-dire un calendrier. Les textes doivent être soumis avant un certain temps, et notamment pour ce qui concerne le débat d'orientation budgétaire, la procédure n'a pas dû suivre son cours de manière parfaite telle que prévue par les textes. Il était donc tout à fait normal que les députés qui se sentent dans l'incompréhension de la façon dont les textes de cette nature leur parviennent, parce qu'il faut rappeler que le débat d'orientation budgétaire permet au gouvernement d'entrer en dialogue avec le Parlement sur le cadre budgétaire de moyen terme. C'est 3 ans. Et quand on parle de 3 ans, en dehors des chocs qui peuvent intervenir à un moment donné, c'est pratiquement ce que le gouvernement envisage de faire sur les 3 années qui arrivent. Tout à fait. Il est donc de bon ton que le gouvernement, si on s'appuie sur la rationalité limitée, c'est-à-dire ne peut pas tout maîtriser, discute avec d'autres acteurs qui ont aussi une autre façon de percevoir la réalité de ces questions. Et cela est encadré par le dispositif normatif qui règle cela. Les députés estiment que le gouvernement n'a pas pris suffisamment de précautions pour que le débat puisse se dérouler dans les règles démocratique. On est venu leur donner un document d'environ 150 pages à étudier en moins d'une heure de temps. Naturellement, cela fait partie de la difficulté à respecter les règles démocratiquement adoptées au Cameroun. Le gouvernement n'a pas respecté les règles établies. Et dont les députés étaient dans leur rôle de manifester leur désapprobation vis-à-vis de cet écart. Cela fait partie de la démocratie. Vous êtes en retard, ce n'est pas un problème. On peut retenir que le gouvernement a fait acte de bonne foi en déposant sur la table un document à discuter.
On peut aussi noter que le document est arrivé dans des formes non prévues par le cadre normatif qui gère cet ensemble de questions au Cameroun, c'est-à-dire que le gouvernement est arrivé en retard. Que les députés expriment leur désapprobation vis-à-vis de ce retard est de leur droit. Très bien. Il ne s'agit pas de vouloir se faire voir, comme on l'a entendu tantôt, mais il s'agit simplement d'exprimer le fait que certaines dispositions n'aient pas été réglées. Hmm. Quand des dispositions n'ont pas été réglées, comment on envisage la suite? Le débat peut avoir lieu suivant d'autres formes. Le deuxième volet de ma préoccupation, M. SMB, portait justement sur ce choc, entre guillemets, l'honorable Joshua aussi et le ministre des Finances au Cameroun, Léopold Modèse. On a vu le député pratiquement gronder le ministre, le député aussi dans son rôle. Cela fait partie du jeu démocratique, c'est-à-dire que lorsque vous êtes à l'hémicycle, le député est le patron, puisque le député est celui... Le ministre est le laquais. Le ministre n'est pas le laquais, le ministre est le mandataire du député, parce que c'est le député qui autorise l'action publique à se mettre en mouvement à travers la loi des finances. L'action publique à se mettre en mouvement. Le député est aussi celui qui évalue l'action publique à tout moment. Il fait une évaluation avant l'autorisation, il fait une évaluation pendant le déroulement de l'action publique, il fait également une évaluation au moment où l'action publique arrive à extinction suivant le mandat qui lui a été concédé. Ça veut dire le député demande au gouvernement de lui rendre compte des autorisations qui lui ont été concédées. C'est tout à fait normal que le député prenne une certaine posture quand il est dans son rôle. Et c'est tout à fait normal que le gouvernement rende compte aux députés de la façon dont il gère les mandats qui lui ont été confiés. Parfois ici, vous avez été nommé par le président directeur général du groupe Météo avec un ensemble de mandats. Tout à fait. Vous avez le devoir de lui rendre compte de la façon dont ces mandats sont conduits et lui aussi a le devoir ou le droit de vous poser des questions sur des éléments qui ne lui paraissent pas clairs dans la gestion que vous faites du mandat qui vous a été confié. C'est comme cela qu'il faut entendre la relation entre le Parlement et le gouvernement. Maintenant, comment est-ce que cela s'exprime? Chacun peut y aller de son tempérament, de la conjoncture. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'espace public est un lieu de grande bataille. Ce n'est pas parce que l'honorable Joshua aussi gronde qu'il perd le sens des négociations. Quand on parle de bataille, c'est des négociations qui se jouent. C'est des négociations qui se jouent pour que les acteurs arrivent à un certain équilibre. Lorsque le ministre reste assis, est-ce que c'est un message qu'il voulait passer? Est-ce qu'il s'est trompé de perspective? Est-ce qu'il a l'obligation d'être debout? C'est également des questions que nous devons aborder, bien que l'espace à nous concéder ici ne soit pas le plus approprié pour y répondre. L'espace le plus approprié serait où? Plusieurs autres enceintes sont dédiées à ce type de concertation qui permettent d'arriver à un équilibre. Merci, hein, en recevant Assembeu. Saint-Éloi Bidon, si nous écoutons très bien en recevant Assembeu, c'est le jeu démocratique. Les députés sont dans leur rôle. Je n'irai pas très loin de la même préoccupation que j'ai envoyée tout à l'heure à Henri Séverin Assembeu, même si certains ont estimé Saint-Éloi Bidon que les députés ont joué à un petit jeu. Les Camerounais ont des problèmes un peu plus sérieux. Et là, nous n'avons pas encore vu ces députés s'élever comme nous avons vu la dernière fois à l'hémicycle. Oui, parler assis ou parler debout. Qu'est-ce que ça change? Je ne sais pas si ça change grand-chose. Mais ce qui est important, c'est que l'objectif poursuivi par le débat d'orientation soit atteint. Les députés sont dans leur droit de revendiquer qu'on leur fournisse les documents à temps. Parce que le débat d'orientation constitue un mécanisme de contrôle de l'action gouvernementale par les députés. Et ça n'échappe à personne que le RDPC, le parti au pouvoir, qui
présentait le test d'orientation a tout simplement essayé de faire dans le dilatoire. Et ce n'est pas pour rendre service à la démocratie, encore moins au président Biya, qui aurait souhaité qu'on retienne de lui qu'il est l'homme qui a apporté la démocratie. Je ne sais pas de quoi ils avaient peur, mais je dis que les députés sont dans leurs droits, dans la mesure où ils ont été élus pour discuter, évaluer, s'opposer. Et quand cette mission devient impossible, je crois qu'on doit le faire savoir. Donc, le blocus organisé par les députés était légitime. Et je pense que le gouvernement comprend bien que si d'aventure ça se reproduisait, il y aurait un sérieux malaise. De toutes les façons, les députés ont revendiqué et ils étaient dans leur droit. Mais ce qui pose un peu problème, c'est la manière de revendiquer. La manière de revendiquer, parce que tout le monde a vu à la télévision, à Mondovision, comment un député s'est levé pour arracher le micro à un ministre de la République qui était en train de vouloir parler. Bon, je voudrais dire que l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, c'est des institutions républicaines qui intiment du respect, tant pour ceux qui y siègent que pour ceux qui viennent pour une séance de travail. Et ce sont des institutions d'une certaine noblesse qui ne cadrent pas avec la mentalité d'un certain nombre de jeunes députés de ces dernières années. Mais je voudrais quand même leur dire que c'est des institutions que nous regardons d'en bas et que nous respectons beaucoup. Et des institutions qui s'accommodent très mal du désordre, de l'indiscipline, de la sauvagerie à la limite, du brigandage. Et vous pensez que quelque part il y a eu sauvagerie? Oui, tout à fait, parce que c'est des institutions où on n'attend pas voir un comportement où un député vient arracher un micro à un ministre. Vous savez, c'est le ministre est resté assis tout simplement parce que le pupitre sur lequel il devait s'exprimer était occupé. C'est là où il y a eu blocus. Et le député lui-même qui est venu reprocher au ministre de parler assis a arraché le micro et n'est pas allé au pupitre pour s'exprimer. Parce que le pupitre était occupé. Il s'est mis dans le couloir et il a fait son show. Et puis, il est parti. Non, c'est des images qui ne sont pas bien pour une jeune démocratie. Et c'est pour ça que je prescris fortement au président de l'Assemblée d'organiser des séminaires de renforcement des capacités comportementales pour l'ensemble des députés de l'Assemblée. Et pour qu'on ne vive plus, ce genre de d'image. Bon, à la fin, vous avez bien vu que l'honorable Cabral Libi est allé sur le pupitre pour s'exprimer, pour s'adresser à l'assistance, aux membres du gouvernement, et que l'autre qui s'est comporté en donneur de leçons est resté lui-même a piétiné dans le couloir. Lui-même a piétiné la morale. Et en plus de ça, la morale n'a de sens que si c'est une valeur que vous avez en commun. Mais que le député comprenne qu'un ministre de la République en fonction, vraiment, ça mérite du respect. Du respect et beaucoup plus de considération. Merci, hein, Saint-Éloi Abidon. Monsieur Noir, nous avons donc assisté à cette petite scène du côté de l'Assemblée. Mais ce qui est important, les députés voulaient faire comprendre que les textes sont arrivés en retard. Et ils ont claqué la porte. Mais malheureusement, les mêmes textes ont été adoptés. Est-ce que les députés en question n'avaient pas un autre mécanisme pour faire véritablement bloquer cette loi qui finalement est passée? À quoi aurait donc servi ce que certains ont qualifié de théâtre du côté de l'Assemblée?
Merci. Je voudrais d'abord marquer mon étonnement face aux propos de mon compatriote Éloi sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un arracher le micro des mains du ministre des Finances. J'ai suivi un député qui a demandé au ministre de poser le micro et il a posé le micro. Donc, à notre avis, il n'a pas arraché le micro, première chose. Deuxième chose, qualifier tout ça, les qualifier de bandits, de brigands, de ceci, je crois que c'est très exagéré et c'est un manque de respect vis-à-vis de ces honorables députés. Voyez-vous, il est question tout simplement... Vous ne confondez pas polémique et invective là. Du respect de la loi. Parce que la loi sur le régime financier de l'État est claire en son article 11. Et je vous le lis à l'attention de vos auditeurs qui dit clairement que chaque année, avant le 1er juillet, il faut bien souligner, avant le 1er juillet, le gouvernement transmet au Parlement les documents de cadrage à moyen terme définis à l'article 10 ci-dessus, accompagné d'un rapport sur la situation macroéconomique et d'un rapport sur l'exécution du budget de l'exercice en cours. Ça, c'est l'année 1. Alors, est-ce que le gouvernement a présenté le projet à bonne date? Pas du tout. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement n'a pas respecté la loi. Il faut partir de là. Et ça, c'est très important. Parce que dans un état de droit, tous les citoyens, que ce soit des personnes physiques ou morales, sont tenus au respect des lois et règlements de la République. Or là, il est clair que le gouvernement a failli lui-même au respect d'une loi qu'il a lui-même élaborée. Parce que cette loi-là est l'émanation du gouvernement. Comment se fait-il donc que le gouvernement, qui a proposé cette loi-là en 2018, la viole? C'est de là qu'il faut partir. Et je voudrais vous rappeler que ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Il suffit de regarder toujours à la date à laquelle ils déposent à l'Assemblée nationale le projet de budget de l'État. Ce n'est jamais à bonne date. Ça veut dire quoi? Et nous l'avons toujours dit au MSC, que nous avons un gouvernement brigand, pour emprunter à l'expression... De cette loi. Si je comprends bien, quand c'est vous qui parlez de brigand, c'est bon. Mais quand c'est cette loi qui en parle, ce n'est pas bon. Ce que je veux, là, il y a un élément probant. C'est que quelqu'un n'a pas respecté la loi qu'il a lui-même instaurée. Tout à fait. C'est pas quoi. Vous êtes brigand, tout simplement. Vous instaurez une loi qui dit vous devez déposer le texte sur le cadrage budgétaire avant le 1er juillet de chaque année. Lors de la session de juin de l'Assemblée nationale. Mais vous le faites après, le 1er juillet. Est-ce que vous avez respecté votre propre loi? Non. À ce moment-là, vous êtes quoi? Être parmi les brigands, c'est ceux qui respectent pas la loi, mon sens. Donc, dans ce cas, le gouvernement est brigand. Très bien. Et c'est pas la première fois. Parce qu'à chaque fois, c'est comme ça. Toutes les lois de la République, ces gens-là les violent. Et ils savent qu'ils les violent. Mais ils se disent, rien ne nous arrivera. Les Camerounais sont indolents, ils acceptent tout, il n'y a pas de problème. Est-ce que la solution était pour ces députés de l'opposition de repartir, de ne plus revenir, et de revenir simplement lorsqu'on a déjà adopté, comme d'habitude, la loi en question? Et c'est à ce niveau, si je m'en tiens à ce que le messager a dit, je pense le messager de jeudi ou de vendredi, le messager était clair, ces députés-là ont été corrompus. Donc c'était un jeu, il fallait simplement qu'ils sortent, mettre une sorte de pression au gouvernement pour recevoir quelque chose et revenir par la suite. Voilà pourquoi certains parlent maintenant des théâtres. Vous n'avez pas cette approche. Véritablement, vous direz que ce n'est pas seulement les députés d'opposition qui ont été corrompus. Et ça, tout le monde le sait. C'est tous les députés qui sont jamais corrompus dans des sens pareils. Je le dis, tout le monde le sait. À chaque session budgétaire, on le sait comment ils sont corrompus. On leur donne l'argent. Mais ce qu'on dit là est grave. Ce n'est pas grave, parce que c'est la vérité. Tout le monde le sait au Cameroun. Ces députés-là ne nous servent absolument à rien. Moi, je dis, leur place même, c'est en prison. Je crois parfait ici. Leur place, c'est en prison, parce que c'est des gens qui ne servent. Ils sont quoi? Quel que soit le parti politique auquel vous appartenez, vous êtes représentant de la nation.
Ça veut dire que vous soyez de l'opposition, du RDPC, quand il y a une situation comme ça, c'est les représentants de la nation qu'on veut voir, tout pas les fait. Individus. On veut voir la nation dire, ça c'est inacceptable. C'est inacceptable que le gouvernement vienne nous présenter un texte au-delà du délai. On a compris. Ce n'est pas là pour le décor. Il faut quand même indiquer que c'est un débat qui se déroule sans vote. Ce n'est pas un débat pour lequel il devrait avoir un vote tel que prévu par la loi. Ça, il faut aussi noter que les députés de l'opposition ne sont pas majoritaires à l'hémicycle. C'est clair. Ça veut dire que pour manifester violemment leur désapprobation, l'une des façons de faire, c'est de sortir de l'hémicycle. Parce qu'en tout état de cause, l'organisation du RDPC est telle que les députés du RDPC accompagnent l'action du gouvernement, ce gouvernement qui est majoritairement porté par le RDPC. Donc ils sont représentants du gouvernement, pas de la nation. Ça veut dire, nous sommes dans les dynamiques d'acteurs. Dans cette dynamique, il paraît assez évident que les députés du RDPC auront le devoir disciplinaire d'assurer le soutien de l'action gouvernementale. Lorsque vous avez dit cela, vous comprenez que s'il faut passer au vote pour la tenue ou la non-conduite du débat d'orientation budgétaire, les députés de l'opposition courent le risque de ne pas remporter un suffrage majoritaire. Conscient de cela, l'une des manières les plus efficaces pour eux pour passer le message, c'est certainement de manifester leur absence. Alors, réussissez donc rapidement également ce que M. Noir vient de dire tout à l'heure, et un journal sérieux de la place au Cameroun l'a également indiqué à sa une que ces députés ont été corrompus et c'était ni plus ni moins que du théâtre. Rationnellement, il n'y a pas d'éléments probants pour pratiquer de la corruption dans cette perspective. Pour une raison simple, s'il faut voter pour la tenue du débat d'orientation budgétaire, il y a de fortes chances que le gouvernement soit soutenu par une majorité des députés. Si vous êtes soutenu par une majorité des députés, il y a très peu de raisons qui vous amèneraient à user d'artifices qui pourrait, qui pourrait subjuguer les consciences des acteurs afin qu'ils vous apportent leur suffrage. Vous savez que le RDPC a une majorité très confortable. Là, vous restez pratiquement dans la théorie. Dans la pratique, même les députés du RDPC se sont arrosés. Je dis qu'il n'y a pas de raison objective. Si vous estimez qu'il y a eu corruption, je serai d'avis à ce que vous nous en apportiez des éléments objectifs. Je vous rappelle qu'il y a plus de 10 ans aujourd'hui, M. Pobi avait demandé les preuves. Et il en a à profusion aujourd'hui. Le jour où vous déposerez les preuves sur la table, je serai convaincu ou persuadé que, de manière objective, le gouvernement aurait corrompu les députés lors de la session du débat d'orientation. Monsieur, ce n'était qu'un débat, ça n'avait aucune conséquence politique. Donc, il n'y avait pas des éléments de corruption. Très bien. Nous voulons également, nous devons passer la parole au professeur. Permettez également au professeur Noumissier de porter son analyse. Alors, professeur, certains estiment, et je pense que M. Noir l'a relevé sur le plateau tout à l'heure, au regard de tout ce qui se passe du côté de notre Parlement, que le Parlement camerounais est à revoir, il est à refaire. Certains vont même avec une déclaration très forte, ces députés ne nous servent à rien. Vous pouvez partager un tel avis? Disons que les faits tels qu'on a observés cette semaine sont révélateurs de ce qu'on observe un peu partout dans le monde entier. Que ce soit en Angleterre ou en France, on a vu des députés parfois bagarrer entre eux, parfois se donner des coups de poing, parfois s'opposer aux actions du gouvernement. C'est tout à fait logique. Bon, maintenant, j'ai fait une observation en tant que psychologue, en tant que psychosociologue, comme j'aime bien le dire, c'est que j'étais un peu très content, très fait de ce que j'ai observé, parce que depuis un certain temps au Cameroun, on s'attend à voir une réelle confrontation entre le gouvernement et le Parlement. Et dans le Parlement également, on s'attend à ce qu'il y ait une certaine forme d'équilibre, parce que on a l'impression que le RDPC a ce qu'on appelle en psychologie la majorité psychologique. Ça veut dire que tout ce qu'il propose, qu'on le vole ou pas, si on va dans le sens des votes
ça va passer comme une lettre à la poste. Mais j'étais très content parce que pour une fois, j'ai vu une opposition se réveiller et contester avec de la manière la plus peut-être indiquée, comme l'a si bien dit mon copanéliste, de la manière la plus indiquée. Parce que comme ils ne sont pas majoritaires, la seule façon de faire entendre leur voix, c'est de sortir. Alors, on a également vu un député empêcher, dit à l'autre, retirer le micro à un ministre. Mais chez moi, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas voir le problème en aval déjà? Est-ce que la population camerounaise ne peut pas comprendre qu'elle a sa partition, elle a son rôle à jouer par rapport à ce jeu? Parce que ce sont les représentants de la nation. Est-ce que les populations ne savent pas que ce qu'on a constaté, ce qu'on a observé cette semaine-là, ce déséquilibre-là qu'on observe sur le plan de l'exercice de la pression ou de l'exercice du pouvoir n'est pas lié déjà à leur désengagement, entre guillemets, à l'action politique? Parce que je pense que, ne disons pas tout simplement que ce Parlement ne sert à rien. Le Parlement ne sert à rien parce que la morphologie qu'on observe aujourd'hui est du fait que, à la base, au niveau élémentaire, les gens qui se plaignent au quotidien ne savent pas que c'est en allant voter, c'est en s'inscrivant sur les listes électorales. Donc vous tirez plutôt sur la population. Je prends tout le monde. Je me dis que la population. Alors tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Et la population doit se rendre compte que, à partir de maintenant, s'ils ont vraiment besoin d'avoir un face-à-face sérieux entre le gouvernement et le. On doit beaucoup plus voter les députés de l'opposition. On doit beaucoup plus s'investir. S'intéresser à l'action politique. Et je suis en train de vouloir écrire un livre dans ce sens-là pour essayer de voir la psychologie politique au Cameroun. Parce que les faits sont là. On montre qu'il y a une opposition au Parlement qui aimerait exprimer autrement, mais fait face à une réalité, la réalité du nombre, la réalité numérique. Alors, est-ce que attendre que ces événements se multiplient, alors qu'on pouvait aller à la base mobiliser les populations pour qu'elles sachent que l'action politique, l'État relève de leur participation déjà. C'est compris, hein. Sainte-Éloi et Bidou, il y a un autre aspect qui m'intéresse dans le travail des députés au quotidien, et je pense que certains Camerounais ont également ce problème. Ça veut dire quoi? Nous avons un certain nombre de soucis au Cameroun, les problèmes auxquels font face les Camerounais. Nous parlons de plus en plus de la vie chère, nous parlons de la crise au Nozo, nous parlons de la guerre contre Boko Haram, nous parlons du SMIC, nous parlons des salaires, mais nous ne voyons pas nos chers députés poser ces problèmes du côté de l'Assemblée nationale. Il faut dire que c'est le fait qu'un ministre soit assis ou debout, c'est ça qui préoccupe un peu plus les honorables. C'est pour ça que je pense toujours que le professeur Maurice Kamto aura rendu un très mauvais service politique au Cameroun. En refusant d'aller à l'élection. En refusant d'aller à l'élection à l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne peut pas venir sur un plateau de télévision dire que ces députés sont inutiles. Maurice Kamto a écrit un ouvrage. Maurice Kamto a écrit un ouvrage qui est utilisé dans les universités en France, Grand système politique contemporain. Et ça commence. La phrase, l'introduction commence par cette phrase. Rien n'est possible sans les hommes, rien n'est durable sans les institutions. Alors, Maurice Kamto a choisi la voie de l'invective sur les plateaux au lieu de venir se rendre utile à l'Assemblée pour mener des débats et donner un sens. Vous faites un débat sur Maurice Kamto ou bien sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Je voulais juste répondre à monsieur. Je voudrais dire que les Camerounais ont beaucoup de problèmes qui se posent en ce moment et qui peuvent engager la République sur des voies qui seront difficilement maîtrisables. Mais là, les députés il serait souhaitable que les députés, parce qu'ils ont la possibilité, à la différence de certains juges, de pouvoir s'auto-saisir des questions qui intéressent les Camerounais et qui sont pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et ils ne le font pas. Alors, on nous met en scène un député. Quand on dit qu'il n'a pas arraché le micro, quand vous venez intimer un ordre à un ministre, vous lui dites donnez-moi le micro,
qu'est-ce qui peut suivre? Un coup de poing peut-être? S'il ne s'exécute pas, s'il ne s'exécute pas. Alors, j'ai dit que les députés de l'opposition doivent comprendre qu'ils ont été envoyés à l'Assemblée pour justement s'opposer aux pratiques pas orthodoxes et aux problèmes qui concernent un débat sur l'orientation budgétaire. C'est un débat important qui n'a pas d'incidence politique, mais qui est très important parce que le député doit se sentir utile. Il doit sentir qu'il a participé à quelque chose pour laquelle il a été élu. Le débat, et en plus de ça, deux intelligences valent mieux qu'une. Donc, j'ai dit que le gouvernement a suffisamment usé du dilatoire partout où il y a des assemblées. Les conseils municipaux à la communauté urbaine, ça se passait comment? Le délégué du gouvernement arrive et il vous entretient pendant une minute en vous disant que tout est sur la table et tenez compte de ce que le plantain que j'ai apprêté là va refroidir. Et tout est déjà sur la table. Vous voyez, dans les conseils municipaux, la loi dit qu'on doit fournir les documents aux conseillers municipaux 15 jours avant le conseil. Et c'est séance tenante qu'on vous apporte les documents. Donc, c'est une pratique courante et que l'opposition connaît. Donc, qu'il s'insurge, c'est légitime. Très bien. C'est bien. Qu'il s'insure, c'est légitime, c'est bien. Monsieur Noir, le fait que le MRC ne soit pas à l'Assemblée nationale, votre copanéliste estime quand que le professeur Maurice Kamto n'a pas aidé le peuple. Je voudrais réitérer mon propos. Lorsque vous observez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, tout au moins au Parlement, tout plus, vous vous rendez compte que ce n'est qu'un vulgaire théâtre. Ah bon? Et parce que chaque député devrait véritablement être représentant de la nation. Tout à fait. Mais à observer, ils sont plus représentants du gouvernement que de la nation. Parce que s'ils étaient représentants de la nation, ils devraient se préoccuper des questions qui concernent le peuple. Vous l'aviez dit tout à l'heure. Vous saviez que au Parlement camerounais, on n'a jamais évoqué la question anglophone. Nous en avons parlé à maintes reprises. Mais semble-t-il, c'est pas important pour nos députés. Ils sont plus préoccupés par les déclarations d'un journaliste à Paris. Ils sont plus préoccupés par la rencontre d'un Camerounais avec le président français. Les dotations de véhicules. Voilà. Que des questions qui impactent sur le quotidien des Camerounais. Tout le monde constate que de plus en plus, la vie coûte cher au Cameroun. Mais les députés n'en parlent pas. Vous allez entendre, écouter encore le discours du président de l'Assemblée qui viendra nous parler de placards, qui parle de la santé du président, qui va dire que nos os, tout va bien nos os. Non. Dans les pays où on vit la démocratie, le Parlement débat des questions qui concernent le peuple. Pour nous, on débat des questions qui concernent le maintien à la tête du pays d'un homme qui n'a plus toutes ses capacités pour diriger un pays aussi important que le Cameroun. C'est de cela qu'il s'agit. Et je voudrais dire ici que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale l'autre jour, c'est pas le vote sur c'est pas le texte sur le cadrage qui est important, non. Je pense que les députés de l'opposition ont voulu, pour une fois, je ne veux pas parler de tous ceux dont on les accuse et tout cela, mais ils ont quand même porté le débat sur l'espace public. Ici, il s'agit plus du respect par le gouvernement lui-même de ses propres lois. Ce n'est pas seulement là qu'on voit que le gouvernement ne respecte pas ses propres lois. Je vous rappelle que lorsque des Camerounais veulent se réunir quelque part pour discuter des questions qui concernent notre pays, c'est très rapidement que le gouvernement lui-même, qui nous a dit dans une loi de 1990, la loi 0155, qu'une réunion publique ne peut être interdite que quand sur l'objet. Mais ils tiennent quand même, ils font quand même, la gymnastique juridique pour que un sous-préfet interdisent une réunion publique. Mais
Et alors, vous allez nous dire que nous sommes dans un état de droit. Non, nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous sommes tout, sauf dans un état de droit. C'est la dictature ici. Et on vit dans la jungle. Nous sommes tous sauf dans un état. C'est le plus fort qui l'emporte. Et le plus fort, c'est le gouvernement qui a les armes, qui a l'armée, qui a la police pour matraquer les militants du MSC. D'accord. Professeur Noubissier, nous sommes tous dans un état de droit. C'est l'avis de M. Noir. J'ai dit que nous ne sommes pas. Je n'ai pas dit que nous sommes. Nous ne sommes pas dans un état de droit, c'est voilà, ça. C'est ça, nous ne sommes pas dans un état de droit. D'accord. Nous sommes dans la jungle. Pourtant, il n'a aucune bosse à la figure, lui. Nous sommes dans la jungle. Mais je souffre dans ma chair. Mes camarades sont en prison. Je pense que lorsqu'on revient sur les faits, selon le thème que vous avez proposé, en thème d'analyse psychologique, il y a des choses qu'on peut éviter. Il y a des dérapages qu'on peut éviter, les écarts de comportement, ceux qu'on a observés qu'on peut éviter. Si on avait mis en place un casting comportemental, on ne peut pas avoir un environnement aussi sérieux comme celui du Parlement et ne pas avoir un modérateur ou encore celui-là qui doit de temps en temps indiquer ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que lorsque la parole... il faut faire le casting comportemental. On devrait dire que quand on me donne la parole tout à l'heure... Il veut dire que le plan d'Assemblée nationale est tellement vieux qu'il ne peut plus contrôler la parole. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est ce qu'il veut dire. J'ai dit qu'il faut... C'est ce qu'il veut dire. J'ai dit qu'il faut un casting comportemental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Quand nous entrons ici, c'est vous qui dites que tel va s'asseoir à tel endroit, tel va s'asseoir à tel endroit. Alors, à l'hémicycle, il devrait avoir quelqu'un... À l'hémicycle, c'est un grand désordre. Il devrait avoir quelqu'un, en fait, sur la proposition de la psychologie, il devrait avoir quelqu'un pour indiquer les comportements attendus. C'est-à-dire quoi? Lorsque le ministre arrive, on doit déjà lui dire que tu prendras la parole, mais tu vas t'exprimer à tel endroit. Ça évite certains comportements. Parce que le plus souvent, les gens se comportent lorsqu'il n'y a pas des règles. Prendre le cas spécifique du ministre Montazeux, c'est ce cas-là qui nous a intéressés. C'est ce cas-là qui a créé tout ce que nous avons vu au niveau des images tout à l'heure. On va peut-être revenir sur ces images. Le ministre Paul Montazeux est habitué des débats à l'Assemblée nationale. Il connaît comment ça se passe. Et donc, si le ministre peut-être a choisi d'être assis, peut-être il était un peu fatigué. Je pense que c'est pas vu. On peut tout dire le président pour Biya, mais n'a jamais parlé au député étant assis. C'est donc pourquoi moi, sur le plan psychologique... Donc pourquoi est-ce qu'un ministre veut parler au Parlement? Parce qu'on a occupé le pupitre, monsieur. Il faut un règlement intérieur. Il faut un règlement intérieur. Voilà les images, voilà le député. Ces gens sont arrogants. Qui s'exprime dans le couloir? Ça, c'est l'expression de leur arrogance, simplement. C'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Ils observent les Camerounais. Allez-y, monsieur. Ils observent les images. Envers le peuple camerounais, puisqu'il a piétiné les représentants de la nation. C'est tout. C'est l'arrogance, c'est ça. Il faut parler le dire d'une autre manière. Allons-y. Merci. Et vous allez suivre. Il faut un règlement intérieur pour normaliser les comportements dans tous les environnements, dans tous les espaces dans lesquels on aura des personnes appartenant à plusieurs mouvements. Et également, dans le cadre des mouvements politiques, lorsqu'on est dans une Assemblée nationale, il va falloir un bon règlement intérieur pour dicter, pour préciser quels sont les comportements attendus et les comportements proscrits. Et tout le monde devait le savoir. C'est le séminaire de renforcement des capacités des uns et des autres. Et vous savez que le ministre Moutazeh, c'est un exercice qu'il affectionne, qu'il affronte depuis des années qu'il est ministre. C'est-à-dire parler au public et devant un pupitre. Donc, je ne vois pas pourquoi il se serait soustrait, pourquoi il serait sorti de la courtoisie habituelle pour l'indiscipline notoire. Mais quand vous regardez les images sont là pour nous aider. C'est que les députés contestataires avaient occupé le pupitre. Mais ça ne pas le droit Et vous voyez donc que le député contestataire lui-même ne va pas au pupitre pour que la leçon soit consommée. Il s'exprime dans le couloir. Non, je voudrais tout simplement dire. Pour chuter, on va tourner la page. Pour chuter que le ministre Moutazeh aura été à la limite. Moi, je vais même plus loin.
C'est, on dirait un complot ourdi contre lui, peut-être parce qu'il a, il a l'expression facile, tout le monde le sait, et on sait qu'il est courtois. Pourquoi est-ce qu'il se serait volontairement soustrait à ses élégances? Je ne pense pas. Merci. Je, hein. Parce que j'ai oublié un aspect qu'il a soulevé lorsqu'il a parlé du service qu'on aurait rendu au gouvernement. Non. En 2021, il s'agissait tout simplement de travailler pour le peuple contre le peuple. Et nous, MSC, nous avons prescrit au peuple le boycott des élections couplées de 2021. Et lorsque vous avez vu les résultats, beaucoup estiment que cela a été fatal pour vous. C'est le boycott qui l'a emporté. Derrière donc cette victoire du boycott, il faut comprendre que le peuple a dit non. Simplement la mascarade du gouvernement, c'est de ça qu'il est question. Nous n'aurons jamais été dans cette assemblée parce que nous pensons que cette assemblée-là doit être reformée. Lorsqu'on allait parler, n'est-ce pas, du règlement intérieur, allez, le règlement intérieur n'est jamais respecté. Il n'est jamais respecté. Donc il faut reformer l'institution parlementaire. Il faut revoir le Parlement. Voilà. Vous êtes toujours en direct sur Info TV. C'est le débat du dimanche. A tout de suite pour la suite. Nous prenons plutôt la deuxième partie, hein, le deuxième débat inscrit à l'ordre du jour ce jour. Ce n'est pas le fait majeur. Deuxième partie de ce débat, Henri Séverin Assembe, nous parlons là de cette grande société de téléphonie mobile au Cameroun, Orange au Cameroun. Depuis un certain temps, quelques années, nous avons constaté qu'Orange au Cameroun est parti de la vente de crédit de téléphone pour finalement aller dans les transactions ayant trait à de l'argent, le mobile money. Cela avait créé un grand débat. Henri Séverin Assembe, beaucoup avaient estimé que Orange n'était plus dans son bon droit. Il y a quelques jours encore, Orange nous annonce que vous pouvez maintenant même, au niveau des entreprises, vous pouvez déjà avoir les salaires de vos employés à travers Orange Money et que sais-je encore. Bref, Orange se positionne progressivement maintenant comme un établissement bancaire. D'où la question ce dimanche, Monsieur Assembe, jusqu'où peut aller Orange Cameroun? Le Cameroun est un État qui a adopté le libéralisme capitalistique comme façon de fonctionner au plan économique. Et quand on parle de libéralisme, c'est l'encouragement de la libre initiative. L'encouragement de la libre initiative a ses conséquences. C'est que les acteurs les plus puissants vont se diversifier pour gagner des parts des marchés les plus étendus et contrôler l'économie. Regardez dans le monde, c'est comme cela que ça fonctionne. Quand vous parlez des grands groupes, les cartels, les holdings, les conglomérats, tout ça c'est pour contrôler l'économie. Parce que plus vous intégrez dans votre dispositif de production et de commercialisation des éléments de chaîne ou alors des chaînes de valeur, plus vous êtes puissant et plus vous faites des profits. Là nous avons affaire à Orange Money, qui est une entreprise distincte, filiale d'Orange, qui exerce son activité et qui... Vous ne jouez pas un petit jeu là, M. Assembe. Il ne s'agit pas de jeu, je suis en train d'expliquer ce que c'est. Orange Money ne fait pas partie d'Orange. Orange Money est une filiale d'Orange, c'est une société distincte, c'est-à-dire dans le groupe Météo, vous avez la presse écrite, le journal Météo, qui est une entité distincte. Défaut TV. C'est la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez décider de rentrer dans la publicité et faire une société de publicité. Vous pouvez décider de rentrer dans un autre segment, le conseil, l'expertise ou n'importe quoi. Pourvu que vous soyez dans le cadre de ce qu'autorise la loi. Orange aujourd'hui a décidé de rentrer dans le marché de la médiation financière avant les autorisations qui circulent dans la presse. Orange était adossé. Quand vous entendez parler de transfert, c'est toujours une banque qui est derrière. Il y a toujours une banque derrière parce que c'est la banque qui assure la médiation financière. Aujourd'hui, Orange estime que intégrer le secteur bancaire lui est bénéfique. C'est la stratégie commerciale. Maintenant, nous au Cameroun, nous devons muscler nos bras. Notre problème, c'est quoi? Nous ne produisons pas suffisamment. Nous ne produisons pas suffisamment. Le Cameroun est en difficulté. Pourquoi? Au plan économique, c'est très simple.
Quand l'offre est inférieure à la demande, qu'est-ce qui se passe à Saint-Éloi? Les prix grimpent. Et si les prix grimpent dans notre pays, c'est également parce qu'au-delà des différents chocs que nous pouvons observer dans le système international, c'est parce que notre production n'arrive pas à couvrir les besoins locaux. Et vous pouvez l'observer également dans la structure de la balance commerciale, où vous avez X, Y, Z qui sont toujours importés et qui siphonnent tout ce que nous pouvons obtenir comme devise. Comme moi, je pourrais suggérer au gouvernement et à l'ensemble des Camerounais, c'est de se lancer dans ce mouvement. Que fait Camtel? Pourquoi on va Orange Money, on va MTN Money, on ne voit pas Camtel, on ne voit pas Express Union? Que fait Camtel? Que fait Express Union? Il faudrait que Express les Camerounais... Express Union est là, mais... Les analystes pensent que c'est justement Orange Money qui est venu tuer Express Union, qui est une société camerounaise. Le marché n'est pas une affaire de blagues, c'est pas pour les blagueurs. Le marché est une expression violente. Vous allez à la conquête des parts de marché, c'est la guerre économique. Vous allez à la conquête des parts de marché, ça veut dire... S'il y a des niches porteuses, vous serez face à des concurrents qui vont utiliser toutes les perspectives que l'économie les autorise à utiliser pour vous tuer. Donc il n'y a pas de procès à faire à Orange sur le sujet. Il y a simplement un procès à faire aux Camerounais qui ont de la difficulté à s'investir dans des mouvements productifs de manière efficace et durable. Récemment, nous entendions le ministre des Finances... Laissez-moi chuter, c'est très important. Le ministre des Finances discutait sur la viabilité et la rentabilité des sociétés, des entreprises publiques. Si nous avons des entreprises publiques qui ont de la difficulté à présenter un bilan acceptable, il est de bon ton que les autres arrivent sur ces différents marchés, s'ils font nos parts de marché... Et rapatrie les capitaux pour continuer d'appauvrir notre pays. Non, mettons-nous au travail, musclons nos bras, inversons la tendance. Il n'y a pas de situation définitive en dynamique. Si vous êtes faible aujourd'hui, vous vous musclez, vous pouvez renverser la tendance. D'accord. Saint-Éloi Bidon, je vous pose une toute petite question. À concurrence égale pour une entreprise, lorsque nous sommes dans un pays, à concurrence égale, est-ce qu'on ne devrait pas soutenir l'entreprise locale? Le choix est clair. Que l'entreprise locale ne rapatrie pas les capitaux. Mais les entreprises locales ont-elles fait un effort pour être compétitives? Express Union, par exemple, n'a pas fait d'effort. Vous avez parlé d'Express Union tout à l'heure. Oui. Moi, je me souviens au moment où Express Union était au sommet de son art. Quand vous vouliez faire un retrait d'argent à Express Union, ça vous prenait une journée de travail. Vous ne pouviez plus utiliser le reste de la journée. Quand vous vouliez aller déposer de l'argent, ça vous prenait toute une journée. Et c'est le reproche qu'on leur faisait souvent de ne pas apporter de la célérité dans le traitement des dossiers. Et l'arrivée d'Orange dans le secteur financier a permis aux Camerounais de gagner d'abord du temps. Parce que le temps est très important. Le facteur temps est très important. Donc, le groupe Orange a muté de la téléphonie pour les transactions financières. Alors, vous préférez dans Saint-Éloi que parce que Orange a probablement apporté un plus dans cette, ce que vous appelez la célérité, qu'on puisse donc tuer une entreprise camerounaise au profit d'une entreprise On ne tue pas. Qui le monde de la concurrence. Le monde de la concurrence est sans pitié. Est-ce que là, on ne pourrait pas apporter un certain nombre de mécanismes à Express Union, par exemple, pour l'amélioration du service? Non, Express Union ne s'est pas régénéré. Et il faut savoir que Express Union était un opérateur privé. Un opérateur privé qui fait ses bénéfices, qui vont dans sa poche. Et Orange est un opérateur quoi? Non. Orange est un opérateur privé également. Mais les règles de la concurrence sont sans pitié. Là où Express Union a échoué, Orange a essayé d'améliorer. Et je dis que ils sont passés aux transactions financières et aujourd'hui, ils s'érigent en banque. Moi, je dis que c'est une décision hautement courageuse du ministre des Finances. Parce que... Mais monsieur Bidon, j'ai la nette impression, ce n'est qu'une impression, que vous êtes parmi les communicateurs du ministre des Finances.
Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. De toutes les façons, il faut être froid dans ses analyses. C'est une décision hautement courageuse. Mm. Si un ministre, Louis-Paul Motazé, avait pris cette décision-là, je l'aurais trouvé très courageuse. Très bien. Je n'ai pas fini. Pour soutenir Saint-Éloi Bidouma en 30 secondes, j'ai passé toute la journée d'hier, après votre invitation, à regarder Info TV. Ouais. Mais j'ai apprécié les couleurs, j'ai apprécié la mutation des plateaux, j'ai apprécié tout ce virtuel qui accompagne le déploiement. Mais la chaîne est aujourd'hui tellement conviviale que le consommateur rationnel qui a besoin de cette convivialité n'ira plus ailleurs. Il va simplement se dire, sur Info TV, j'ai le confort visionnel, j'ai un ensemble de thématiques qui sont bien abordées, j'y reste. C'est ce qui se passe avec le consommateur dans tous les services et produits qui sont mis sur le marché. C'est normal qu'avec Orange Money, qui assure la célérité dans les transactions, l'agent économique rationnel opte pour Orange Money au lieu d'aller bagarrer avec Express Union ou je ne sais quoi. L'État, pour continuer avec ses... Vous faites une mauvaise publicité à Express Union sur le plateau. Hein. Nous sommes dans une discussion économique. Et sur le rapport entre le consommateur et les motivations du consommateur dans son activité. Mais parfait ici... Moi, je suis entrepreneur. Oui. Je suis entrepreneur. J'ai un groupe d'une dizaine d'entreprises dont j'assure le pilotage. Mais attention, les transactions, ça doit aller vite. Ça doit aller très, très vite. Si vous me perdez une heure de temps, je dis, je ne reviens pas chez vous. Que ce soit dans le système bancaire, chez les fournisseurs ou dans les administrations, c'est la même chose. C'est lâché, c'est un peu la parole, monsieur. Les entreprises locales doivent s'arrimer à la modernité. On ne peut pas comprendre que Camtel soit le distributeur des licences et que Camtel soit le dernier de la classe en matière de télécommunications. On ne peut pas comprendre. Et il faudrait que, si les responsables d'Express Union nous écoutent, qu'ils comprennent que c'est les langues du cœur, et c'est avec le cœur que nous parlons, parce que nous avons subi, et s'ils s'améliorent, ils retrouveront leur place. Mais moi, je dis que Orange s'est montré suffisamment conquérant. Et Orange devient même une entreprise à la limite citoyenne. Parce que imaginez que son intervention sur le plan citoyen. Oui, imaginez son intervention sur le plan bancaire. Le nombre d'emplois qui vont être créés, le nombre d'agences qui vont être créées, ainsi de suite. C'est ça qui participe un peu du renforcement, du l'élargissement de l'assiette économique de la France. La France a déjà, au Cameroun, ils ont Orange, qui est une multinationale et de notoriété publique. Ils ont le groupe Castel, qui est au niveau des brasseries du Cameroun. Et ils ont ouvert une chaîne de magasins, le plus grand magasin d'Afrique centrale, les magasins Carrefour et Saint-Plant. Ils ont le groupe CFAO qui est leader en matière de transit. Ils ont le groupe Bolloré dans les trucs. Vous comprenez que c'est la France, c'est la guerre économique, et la France a compris que le Cameroun était un grand marché à haut potentiel où il fallait investir, et c'est pour ça qu'ils sont en train d'investir. C'est compris. Au moment où les autres sont en train d'hésiter, ils sont en train de... C'est compris, Saint-Éloi. Ils ont même le groupe CFAO. Ils ont beaucoup de groupes, voilà. On ne peut même pas citer. Mister Noir, lorsqu'on écoute que ce soit Bidoum, que ce soit Assembe, en contexte concurrentiel, aucun procès à faire à Orange. Vous êtes d'accord? Bien, là, il faut d'abord dire que le groupe CFA aujourd'hui n'est plus français, il est contrôlé par le groupe Toyota, dont il n'appartient plus aux Français. Je vous rappelle que Camille Toyota est un élément du groupe CFA qui appartient à la France. Allez vérifier. Allez vérifier. Aux Français. Je veux dire que ce n'est pas Camtel qui distribue les licences. Hein. C'est l'AFT qui distribue les licences. Tout à fait. Et deuxième contre-vérité que je vais rétablir, ce n'est pas le ministre qui a été courageux de faire d'Orange un établissement de paiement. Il faut dire qu'il applique
le visa donné par la COVAC. C'est à la suite de ce visa que le ministre, l'autorité monétaire nationale prend une décision qui fait de Orange Cameroun donc un établissement de paiement. Cela signifie que le ministre lui-même est agi. Pardon? Non, il a attendu d'abord la COVAC. Il a reçu une instruction. Il y a eu une demande. Il y a eu une demande. Monsieur Doyen, c'est à la COVAC d'abord qui traite le dossier et maintenant l'autorité nationale, monétaire nationale, prend la décision sur le plan national. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Et il faut d'ailleurs, il faut dire que cela, c'est à la suite d'un règlement de la COVAC qui date de décembre 2018 sur des établissements de paiement. Et les établissements de paiement ne sont pas établissements de crédit, ni établissements financiers. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que Orange n'est pas une banque. Nous n'en sommes pas encore là. Orange est actuellement, dans le contexte des textes de la COVAC, un établissement de paiement. Plus tard, ils peuvent peut-être devenir une banque, mais pour le temps, on n'en est pas là. Ce qui va changer en ce qui concerne Orange, ça veut dire qu'ils n'auront plus besoin de s'adosser sur une banque pour émettre de la monnaie électronique. Avant, Orange, comme les autres opérateurs, sont obligés, il a dit, d'être adossé à une banque pour émettre la monnaie électronique. Ce qui change avec Orange, à partir du moment où il a ce statut-là, d'établissement de paiement, il n'a plus besoin d'une banque pour émettre la monnaie électronique. Ça, ça va changer. Donc, son partenaire avec la banque que tout le monde connaît va certainement, oui, il va prendre un coup sur ce plan-là. Et au-delà même de l'émission de la monnaie électronique, il y a d'autres choses qui vont permettre à Orange de travailler. Et c'est tout cela qui fait que il n'y a plus vraiment quelque chose d'étanche entre l'établissement de paiement et la banque, ou n'est-ce pas, pour le commun de mortel. Mais sur le plan technique, il y a bel et bien une grosse différence entre l'établissement de paiement et la banque. Et la banque. Je voudrais dire, on a parlé d'Orange, on a parlé d'MTN, non. Il faut dire qu'il y a une entreprise locale camerounaise quand même, qui est privée, Yumi, qui fait aussi dans la monnaie électronique, avec, je sais pas comment ils appellent ce service-là, je vois les annonces partout, j'ai pas encore utilisé, mais je vois quand même des annonces un peu partout. Bon, il y a quand même un camerounais, un service. Yumi aujourd'hui a été lancé par un expatrié, mais aujourd'hui ça a été racheté par un camerounais. Et. Avec quelle part de marché? Oui, bon, c'est une nouvelle, c'est une petite entreprise en termes de part de marché, même que ce soit sur le mobile, que ce soit sur les transactions financières. C'est un petit pousset, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais moi je dis, le règlement de la COVAC en fait vient constater un mouvement technologique. C'est qu'on est en train de passer du plus du physique au virtuel. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, un groupe bancaire africain qui a fait ce mouvement-là, c'est Ecobank. Ecobank, vous le savez bien, a fermé des agences pour réduire le nombre et pousser en avant plutôt ses services électroniques, c'est-à-dire les services en ligne. Vous pouvez de la maison, passer faire des transactions et tout ça. Je pense que même plus tard, ils permettront qu'à monnaie d'aller déposer de l'argent à tout moment à la banque. Ça se fait. Quand vous arrivez dans certains pays, il y a des gares qui vous permettent de faire des versements. Or, nos gares au Cameroun permettent uniquement de recevoir de l'argent. Ça ne permet pas encore de faire des versements. Donc, c'est une mutation de technologie mondiale. Et il y a ce qu'on appelle les fintechs, c'est-à-dire des jeunes entreprises qui utilisent la technologie pour l'amener au niveau de la finance et faciliter donc l'accès du plus grand nombre à la finance. Et c'est ça, aujourd'hui, même la mère qui est au village, qui n'a jamais été à l'école, peut facilement faire une opération, que ce soit par Momo ou bien par Orange. Ça participe de ce qu'on appelle l'inclusion financière. C'est-à-dire que ramener le plus grand nombre à pouvoir faire des transactions financières facilement, ça, et si le mouvement continue, on va progressivement avoir le taux de bancarisation, c'est-à-dire le taux de ceux qui ont accès à la banque, va progresser. Et un pays qui veut se développer est obligé de passer par là. Quand vous arrivez dans des pays, pose une question. Oui. À qui profitent les bénéfices d'Orange Cameroun? Là n'est pas la question. C'est une mauvaise question. Non, je vais y arriver, mais là n'est pas la question. Ici, l'analyse n'est pas sur à qui profite. Ici, l'analyse est qu'est-ce que le consommateur gagne. C'est d'abord de cela qu'il est question. Il vous a fait, très bien, vous a dit. Maintenant, qu'est-ce que le peuple peut faire, c'est pas important. C'est pas ce que je dis. Encore une fois,
Personne n'est interdit. Il y a même, croyez-moi, bientôt demain. Demain, c'est MTN, hein, c'est sans cours. Demain, ce sera MTN. Et personne n'est interdit à Yumi ou à de faire de même, de demander, n'est-ce pas, de prendre le statut d'établissement de paiement. Personne n'est interdit à la Camposte. Qui est en train de travailler dans ce secteur? Personne n'est interdit à la Camposte demain de solliciter aussi un statut d'institution un établissement de paiement. Donc, il ne faut pas croire que c'est une lutte contre les investisseurs étrangers. Encore que moi, je suis chauvin sur le plan économique. Hein? Oui, ça, je le dis clairement. Depuis un temps, moi, les costumes étrangers, tout ça, je ne mets plus. Je cours sur place. Même mes chaussures sont fabriquées sur place par des Camerounais. Je mets les Camerounais au travail. C'est aussi simple que ça. Je consomme plus dans les stations qui appartiennent aux intérêts africains, très rarement dans des stations qui appartiennent aux intérêts français. Consomme, sauf quand je sais que je peux tomber en panne, là je suis obligé de partir. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut que les opérateurs, l'opérateur camerounais, Camtel, Campos, Yumi, tout ça, comme il a si bien dit, se modernise pour se mettre à la hauteur des attentes des consommateurs que nous sommes. Nous voulons bien faire du chevalisme économique, mais il y a des moments où nous n'y arriverons pas. Parce que face, n'est-ce pas, à nos besoins, on trouve que c'est l'investisseur étranger qui apporte des solutions adéquates. Et à ce moment-là, vous dites, je veux bien, mais quand même, je ne veux pas perdre du temps, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas faire cela. Et vous êtes obligé de suivre. Nous disons simplement que les autres acteurs camerounais dans le secteur, qu'ils prennent les bonnes décisions, qu'ils s'arriment à la technologie et qu'ils prennent aussi le statut d'établissement de paiement. Et ce sera bien pour nous, vous autres Camerounais. Le professeur Noubissi, tant que nous sommes en contexte concurrentiel et comme la société apparemment aide les Camerounais, nous allons encourager Orange, même si toutes les autres sociétés au Cameroun qui exercent dans le même domaine peuvent mourir et la vie continue. Bon, moi, je pense qu'il faut parfois qu'on contextualise notre argumentaire. Parce que le cas Express Union, où il y avait trop d'affluence, on pouvait passer peut-être des heures avant d'être servi, c'était juste dans un contexte précis. C'est-à-dire qu'il y avait avant Express Union, on n'avait que Western Union. Et quand Express Union est arrivé, les coûts de transaction étaient un peu au niveau du citoyen. Et c'est donc pourquoi il y avait qu'une forte affluence là. Les gens qui sont devenus occultes. Les gens, il y avait une très grande affluence. Il y avait une très grande affluence. Les gens, ils sont allés bon. À ce moment-là, je peux comprendre que plus la population était attirée par Express Union, plus il fallait peut-être mettre en plan une stratégie pour que les gens ne passent pas plus de temps là-bas. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le cas. Bon, maintenant, est-ce que nous allons... est-ce que nous allons mettre de côté les entreprises nationales pour les entreprises étrangères? C'est vrai, à l'aide de la mondialisation aujourd'hui, la question qu'on se pose n'est plus celle de savoir est-ce que ça veut que un local ou un étranger qu'on met une action, c'est quelle la rentabilité, quelle la plus-value, qu'est-ce qu'on gagne? Et lorsqu'on se pose ces questions, sur le plan compétitif, je pense que Orange est mieux placé parfois pour être au-dessus de certaines entreprises locales. Bon, maintenant, ce que je vois en tant que psychologue, parce que chaque fois que j'interviens, j'aime bien ouvrir la dimension psychologique. Moi, je vois les comportements. Est-ce que les Camerounais peuvent déjà passer le temps dans leur maison avec 200 000, 300 000, 400 000 francs de salaire dans leur téléphone portable? Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on ne doit pas assister à un phénomène psychologique où les gens vont passer le temps dans l'insomnie, où ça va fatiguer les gens, parce que avoir l'argent ce soir est différent d'avoir l'argent dans une banque. Quand je sais que l'argent est à la banque, c'est plus sécurisé. Alors maintenant, quand je l'ai dans mon téléphone portable, et quand on sait que de nos jours, avec les transactions que nous avons, quand vous faites une opération de plus de 50 000, ça c'est un constat que j'ai fait, directement, les gens vont commencer à vous appeler par la suite, avec des numéros inconnus, par la suite, pour vous poser des questions, et ça peut créer, vous constatez par la suite. Mais justement, cette question à poser tout à l'heure, votre panéliste, c'est-à-dire, je vous relance pour ça, nous félicitons très bien Orange. Entre-temps, combien sont-ils les consommateurs qui ont perdu d'énormes sommes d'argent dans leur téléphone, dans leur portable? Cela signifie que ce système-là n'est pas sécurisé. Je pense qu'il fallait d'abord voir la dimension sécuritaire. C'est-à-dire que est-ce que vous perdez un million dans votre téléphone portable, est-ce que vous pouvez porter plainte à Orange, par exemple? Voilà, ce sont les questions. Est-ce qu'on nous a édifié à ce niveau? Je pense que la société ou l'entreprise Orange devrait se poser des questions au niveau d'abord du consommateur.
du consommateur lambda. Moi, je prends un Camerounais, je dis d'abord la psychologie de l'argent. Ce n'est pas tout le monde qui garde l'argent ce soir. Il faut seulement marcher dans la rue, voir quelqu'un qui a plus de 50 000 francs sur lui. À partir de ses comportements, on peut savoir que telle personne a de l'argent sur lui. Alors maintenant, si la personne. Ouais, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'argent, bien sûr. Bon, une grande majorité. Alors, si maintenant ces personnes-là ont leur argent dans leur téléphone portable, est-ce qu'on ne va pas avoir autre forme de problème qui vont se présenter? Il faut parfois aussi anticiper. Moi, je peux comprendre que c'est chacun qui aura l'attitude de souscrire à se dire oui, j'accepte que mon salaire soit viré par Orange Money. Oui, ça va beaucoup aider les populations du fait que nous constatons une certaine affluence quand vient la fin du mois au niveau des banques et parfois les services se sont ralentis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à avoir également plusieurs sociétés entre guillemets bancaires, plusieurs micro-finances détenues par des Camerounais fermées boutique? Et maintenant, plusieurs Camerounais dans le chômage. Vous ne voyez pas cet aspect de choses? On l'a vu venir avec quand le Mobile Money et Orange Money ont commencé, les entreprises locales, il faut les citer, Express Union par exemple, beaucoup licencié. Beaucoup de personnes. Mais on peut également vous prendre l'inverse que Orange et autres ont recruté. Bon, c'est une histoire entrepreneuriale, c'est une histoire, la politique capitaliste. Mais ce que je peux dire, permettez à vos soeurs de chuter. Ce que je peux dire, sur le plan comportemental, ne faisons pas des propositions comme si toute personne avait la latitude de vivre avec la justice. Déjà que au niveau de la cybercriminalité, au niveau de la digitalisation de la monnaie, on se rend compte qu'il y a des spécialistes là qui sont dans le noir et qui sont capables. Et pour l'instant, le système n'est pas sécurisé. Voilà. Il faut vraiment mettre. Il y a des pertes énormes. Imaginez-vous donc quelqu'un qui reçoit son salaire et qui a les heures qui viennent là, il se rend compte que ce salaire n'existe plus. Mais imaginez-vous quand on sait que j'ai vu certains Camerounais devant les banques sans avoir reçu un message qui le disait qu'on l'a viré l'argent. Ça montre donc que les Camerounais sont dans l'attente de la fin du mois. Mais imaginez-vous ceux qui sont dans l'attente après, par une histoire de piratage, là, son salaire est piraté. Ça devient un problème sérieux. Monsieur Assembe, je vous pose justement cette question-là. Nous avons de plus en plus ces manques à gagner dans nos téléphones portables. Vous aviez une somme d'argent, un bon matin, ça disparaît. Vous ne savez pas qui est-ce que vous pouvez arrêter au niveau de la maison Orange. Nous avons également ce cas, j'en parlais tout à l'heure, ces sociétés bancaires, ces microfinances, avec cette expansion d'Orange, qui sont en majorité des sociétés camerounaises, qui vont certainement fermer boutique au nom de la concurrence. Et à nous le chômage, ça ne dit rien à M. Assembe. Ça me parle beaucoup. Ou bien on dira encore qu'en contexte concurrentiel, il n'y a pas de problème. Et c'est révélateur d'un mouvement à mettre en place. Mais parfait ici. Est-ce que vous savez que le Cameroun en ce moment n'a pas de stratégie nationale de développement d'entreprise? Ça doit vous parler. Voilà à quel niveau vous devez aborder la question. Parce que lorsque vous avez une stratégie nationale de développement de l'entreprise, vous pouvez segmenter par secteur et voir comment est-ce que vous pouvez assurer le portage des secteurs pour aller face à la concurrence internationale. Si une microfinance est laissée à elle-même sans masse critique derrière pour affronter le même marché qu'Orange, vous attendez à quoi? À rien du tout. La deuxième chose, lorsque vous êtes en stratégie, si vous cartographiez la PME au Cameroun, vous verrez que le marché est dominé par la petite entreprise, très très petite entreprise. Et on ne développe pas un pays avec la très petite entreprise. Ça veut dire qu'il faut apprendre aux Camerounais à développer des structures qui permettent d'aller vers le marché international. Le marché est globalisé, on ne peut pas faire autrement. L'agent économique travaille sur la microéconomie, c'est-à-dire il se pose la question, qu'est-ce que je mange? Je mange avec qui? Je me soigne où? Il ne s'occupe pas des agrégats, il ne sait pas à quoi ça renvoie. Maintenant, lorsque vous vous retrouvez au niveau de l'État et que vous parlez d'agrégats, vous commencez à vous dire, qu'est-ce qui reste dans mon pays, c'est-à-dire dans la poche Cameroun, qu'est-ce qui va dans la poche extérieure? À ce moment, vous pouvez constater que vous êtes en train de perdre de l'argent. L'agent économique, l'agent microéconomique, sait qu'il gagne chaque fois que les transactions vont vite ou alors chaque fois qu'il achète sur un marché qui lui associe, qui lui accessible. Il sait qu'il gagne. Les conséquences sont immédiates.
les microfinances, il y en a combien sur le marché? Une infinité de microfinances. Ça sert à quoi? À rien du tout. Sinon, à imiter le marché et à diminuer sa capacité à être attractif. Si vous avez diminué votre capacité à être attractif, vous ne pouvez plus agréger des segments d'activité. Aujourd'hui, on vous dit, je suis dans la téléphonie. J'ai 15 millions de clients. Ça devient une base de données à partir de laquelle vous faites l'intelligence économique. Et la question derrière, comme c'est des consommateurs, qu'est-ce que je leur assure comme service supplémentaire? Un, pour garder cette clientèle. Et deux, pour lui soutirer le maximum de choses. Ou alors, parlons en langage d'élégance, pour optimiser le fait pour moi de disposer de cette base de données. C'est en ces termes que le problème se pose. Vous également, chez Info Télévision, lorsque vous aurez fidélisé une certaine clientèle, vous allez ajouter, vous allez convoyer des services à valeur ajoutée qui vous permettront d'avoir plus de marge de manœuvre, faire plus de bénéfices et être plus puissant que votre concurrent sur le marché télévisuel. Ça va bien entendu créer la fermeture des entreprises qui ne pourront pas supporter la concurrence. C'est le cycle économique. Vous ne pouvez rien face à cela. Nous devons donc nous dire, et c'est le consensus autour duquel notre pays doit évoluer, 1. Stratégie nationale d'entreprise, 2. Identification des secteurs et puis mise en place des mécanismes pour accompagner cela. Ce n'est pas suffisant. Le plus grand, c'est acculturer les Camerounais au développement de la libre initiative. Tant que vous n'avez pas des Camerounais conquérants qui peuvent mettre en place des mouvements entrepreneuriaux, il n'y aura rien. Vous pouvez l'observer au quotidien. La production est plus faible que la consommation. Conséquence logique, okay. Le surcroît de demande sera fourni par l'extérieur. Et quand le surcroît de demande est fourni par l'extérieur, c'est l'économie qui s'extravertit et de manière macroéconomique, on est appelé à s'appauvrir. C'est un calcul basique. Notre État doit apprendre. C'est pour ça que vous avez les grandes réformes. Gestion assez sur les résultats, réforme de la professionnalisation, approche par les compétences, approche par... Tout ce que vous entendez là, entendez dire là, c'est pour amener le Camerounais à développer son autonomie et aller sur le marché à construire. Parfait ici, continuons de dire aux Camerounais, quand on fait le concours de l'ENAM, c'est combien de candidats? 100 000 candidats. On ne construit pas un pays avec le départ vers la fonction publique. Non. Apprenons aux Camerounais que c'est en faisant Info TV qu'on crée de la valeur. C'est en faisant Info TV qu'on redistribue de la valeur. Et c'est en faisant Info TV qu'on permet aux Camerounais de gagner sur le marché international, d'avoir des devises, alimenter son économie, payer l'impôt qui servira donc à la distribution de ce circuit qui encadre la création de la valeur qu'on appelle les agents publics. Merci. Nous allons lire de nombreux messages. Nous sommes pratiquement déjà assaillis. Beaucoup estiment qu'ils ont également leur mot à dire sur ces deux sujets majeurs ce dimanche. Nous allons donc faire plaisir à cette classe de téléspectateurs. Bonjour, parfait ici, ainsi que ton panel. En ce qui concerne les affaires de l'Assemblée nationale, le MRC n'a rien à dire, car si ce parti avait pris part aux élections législatives et municipales, je suis convaincu que celui-ci récolterait au moins 30 députés. Alors beaucoup de choses devraient bouger et qu'il nous laisse tranquille. Alors, on se bat comme on peut. Un jour, Dieu nous aidera. Car, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. C'est Georges Germain, fils paterne à Mimboman, à Yaoundé, qui envoie le message. Parfait. Pour ce qui est d'Orange Money, je pose une question. S'il arrive que vous avez un montant d'argent dans votre compte et vous seul maîtrisez le code, et si vous faites un accident et qui entraîne à la mort, que deviendra cet argent? Je pense que c'est une question pertinente. Non, c'est résolu. C'est tout. D'accord. Monsieur m'a dit que c'est résolu. Il va nous répondre tout à l'heure. Autre message. Bonjour le plateau. J'ai appris ce matin que l'opérateur de téléphonie mobile Orange est devenu un établissement bancaire. Est-ce vrai? Parfait ici. C'est Toyen fils qui nous envoie le message. Peut-être pas encore établissement bancaire au sens strict du terme. Mais on se pose la question jusqu'où
Il va continuer. Il ira au rang. Il va continuer la valeur ajoutée. Voilà. Bonjour aux panélistes. Actuellement, ces opérateurs détiennent par devers eux beaucoup d'argent appartenant aux clients déjà décédés. Vous voyez que la question revient à M. Noir. Autre préoccupation ce matin. Message venant du 221. Bonjour, parfait, ici. Ravi de vous retrouver sur Info TV. Félicitations et merci pour la pertinence de votre débat. Bien qu'Orange s'insurge contre un établissement de paiement majeur au Cameroun, nous rejoignons le point de vue de Monsieur Assembe. Il est important de protéger l'économie camerounaise des groupes prédateurs étrangers qui prennent la main petit à petit de tous les secteurs clés du pays. Il faut encourager les initiatives locales, développer nos propres entreprises spécialisées dans le domaine. L'État devrait en faire une priorité de souveraineté nationale. C'est M. Lobby depuis Dakar qui envoie le message. Orange, alors, bonjour, j'aimerais qu'on nous dise le rôle des parlementaires dans notre Assemblée nationale. Partent-ils pour défendre le peuple ou les intérêts de leurs amis du gouvernement? L'Assemblée a-t-elle déjà proposé une loi pour le bien-être des Camerounais? C'est Tonton depuis San Melima qui envoie le message. On ne s'adresse pas au peuple en étant assis. Voilà, c'est ce qu'il dit. Orange, ses bénéfices vont au profit de qui? Demandez à M. le maire si ça profite au peuple camerounais. Autre message ce matin. Salut, moi c'est Patrick. Orange me déçoit beaucoup. Je n'y retournerai plus. Autre message, bonjour à tout le panel, bonjour à l'un des rares journalistes incorruptibles de ce pays, j'ai cité Parfait Haïti ou encore Perfecto. Nous l'aimons bien ainsi pour le premier thème. S'agissant de l'Assemblée nationale, je pense à mon avis que le gouvernement n'a jamais respecté les députés qu'il considère comme des comédiens politiques. Le gouvernement camerounais sait qu'il peut agir avec ou sans le consentement des députés, car vous voyez bien comment les ministres marchent avec un cortège et des sirènes, tandis qu'un inspecteur de police peut froisser publiquement et médiatiquement un député sans que ça ne frustre personne. Nos députés n'ont pas de poids et ne représentent les populations que de nom. On espère voir un jour nouveau par la grâce de Dieu. Vivement le prochain thème. King de Yaoundé qui envoie le message. Bonjour Perfecto, il faut savoir que l'État camerounais est l'un des rares États au monde qui tue sa propre économie avec fierté. Savez-vous que tout ce que Orange fait au Cameroun est comme tel peut le faire? Vous savez... Mais savez-vous que pour que Camtel se déploie de la même façon qu'Orange, il faut la volonté politique exclusivement? Savez-vous que Camtel n'a jamais été une société de téléphonie, GSM? Savez-vous que la tutelle de Camtel ne lui a jamais accordé l'exploitation du GSM? Allez donc savoir pourquoi Orange est tout permis au Cameroun et je vous promets que vous n'en parlerez plus jamais sur vos antennes. King de Yaoundé. Wow. King, c'est une menace ou quoi? Nous sommes attaqués aux géants. Alors, message, hein, on lit rapidement deux ou trois derniers. Bonjour, parfait. Orange ne développe pas une économie, ni le Cameroun. C'est des lobbies. Bonjour, le plateau. Alors, on avait lu ce message. Prenons ceci. Bonjour Perfecto. Qu'est-ce qu'Orange fait quand vous avez eu un accident et vous perdez la vie? Ou si vous perdez le téléphone? Orange vous fait passer plus d'un mois à attendre. Merci. C'est signé Atango. Alors, les téléspectateurs ont également dit un certain nombre de choses. Je repasse la parole à M. Noir d'abord. Okay, d'accord, oui. Par la suite, Saint-Éloi Bidou argumentera aussi. Alors, M. Noir, la question est redondante. Lorsque vous avez un téléphone, vous avez beaucoup d'argent dans votre téléphone et vous décédez et quelqu'un d'autre n'a pas le code de votre téléphone, est-ce que vos ayants droit peuvent réussir à mettre la main sur cet argent en allant à Orange? Oui, se basant sur des expériences vécues, effectivement, ce sont les ayants droit qui se présentent à la banque avec les éléments probants. À la banque? À Orange. Dans une agence Orange, j'amasse l'agence centrale, hein, pour pouvoir présenter les preuves qui sont la filiation.
Comment ils vont présenter les preuves puisqu'ils n'ont pas de code? Dans un, vous n'avez pas le code, ça c'est pas ça le problème. Le problème c'est savoir est-ce que vous êtes vraiment parent ayant droit de la personne qui est décédée, c'est ça qui est plus important. Parce qu'eux, ils ont la possibilité d'entrer, donc il n'y a pas de problème de code. Mais je pense que avec le nouveau statut, ils devront prendre d'autres mesures. Par exemple, lorsque vous entrez, vous ouvrez un compte, vous pouvez indiquer un parent ou deux parents à qui on peut parler lorsque, si jamais vous n'êtes plus là. Comment c'est qu'on a l'argent là-bas? Pardon? Comment c'est que le décédé a laissé de l'argent là-bas? Non, par mesure de protection, quand, au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, la première chose à faire, c'est de vérifier son, il faut aller à une agence. S'il était, par exemple, en MCN comme moi, on doit avoir un signe de savoir si je n'ai pas, je n'ai rien laissé. Un ayant droit. Les cas que moi j'ai vécu, c'est les ayants droit. Il y a une amie, c'est une sœur qui est allée se présenter avec d'autres sœurs. On lui a demandé d'amener d'autres personnes pour montrer que, effectivement, puisque quand vous êtes passé ayant droit, donc là il y a des questions juridiques qui vont commencer à se poser. Et c'est pourquoi que je dis en amont, le Orange doit pouvoir régler ça avec ce nouveau statut. C'est-à-dire que pour que, comme à la banque, ça doit se passer désormais comme à la banque. Quand à la banque vous mourrez, il faut un certificat d'hérédité qui est l'administrateur de biens et tout ça. À la banque, Orange Cameroun et les autres opérateurs aussi, cela va se passer comme ça. Mais pour l'instant, je pense que c'est les ayants droit. Mais je par exemple, là j'ai eu une question de 30 députés à l'Assemblée nationale. Écoutez, le MSC n'était pas parti pour être parmi les partis d'opposition au Parlement. Nous voulions y aller pour avoir la possibilité d'effectuer un véritable changement. Et nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas possible à DM par rapport à ce que le plan que le gouvernement nous avait réservé. Et nous avons dit... le MSC n'a pas été créé pour donner des emplois à quelques-uns d'entre nous. Le MSC a été créé dans l'intérêt. Beaucoup ont estimé qu'avec justement cette manière de penser, M. Noir, vous avez été méchant. Non, on n'a pas été méchant. Parce que beaucoup de vos cadres étaient presque sûrs qu'ils pouvaient être soit députés, soit maires. Non, pas beaucoup. Mais vous avez décidé à la dernière minute de ne pas aller à cette élection. Et beaucoup ont estimé que votre président de parti a fait montre d'égocentrisme. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est une question très importante. Je commence par ça. Vous dites, il a fait plus d'égocentrisme. Est-ce qu'il a pris, lui, la décision personnelle de ce que le MSC n'est pas d'élection? Non. C'est une décision prise par un organe national du parti qui s'appelle le Conseil national. Non. J'ai assisté. C'était, écoutez, je suis SGA du parti, donc je sais de quoi je parle. C'est une annonce que l'Endo. Ça ne nous intéresse même pas. Donc je dis, j'avoue que ce n'est pas un sujet. C'est pas un sujet, c'est important. Vous avez parlé en quelques secondes, oui, on tourne la page. Je dis, c'est une décision qui a été adoptée par une instance nationale du parti qui s'appelle le Conseil national, qui est l'instance qui vient après la convention. Et après le Conseil national, il y a le directoire. Donc, c'est le Conseil national qui, pour la circonstance du 25 novembre 2020, a été élargi à tous les secrétaires départementaux. Quand le professeur Maurice Kamto, président national, a fait cette proposition, il a d'abord longuement expliqué les raisons. Quand il a dit, maintenant, est-ce qu'on peut passer au vote? Ça a été une acclamation, tout le monde s'est levé et ça a mis fin à la réunion. On ne peut plus continuer. Ça veut dire que les gens étaient contents, même contents à faire le renverser. Comme pour dire que les militants du MSC ont accepté. Vous dites beaucoup de cadres, non. Monsieur Njamba, monsieur Laporte. C'est quelques cadres, il ne faut pas dire beaucoup de cadres, c'est quelques cadres, quels que soient les cadres qui n'ont rien apporté. Bon, passons. Ils vous disent, quelqu'un posait la question sur les bénéfices d'Orange. Il faut savoir que le cas normatif impose aux opérateurs d'avoir 30% d'actionnaires camerounais. Et les deux l'ont fait, que ce soit MTN, il y a 30% qui est contrôlé par les privés camerounais, que ce soit pour Orange, c'est pareil, c'est 30%. Donc, tous les bénéfices ne vont pas quand même en France. Encore qu'Orange appartient à l'État français. C'est l'État français qui est le majoritaire dans le tour de table d'Orange, du groupe Orange en France. Merci, oui, c'était l'habitude. Et même dans les bénéfices, je crois qu'il y a un Camerounais qui est actionnaire majoritaire dans une de ces sociétés de téléphonie mobile. Qu'est-ce qu'il a fait des bénéfices? Non, il ne faut pas nous prendre par les sentiments. Moi, je dis que il faudrait que les Camerounais travaillent dans la perspective de s'arrimer à la modernité. Il y a 30 ans, moi, j'étais en France. En France, tout le monde avait, jusqu'aux élèves, avait des cartes de crédit. On n'avait jamais touché. Je faisais un mois sans toucher à 10 francs. C'était le moyen de paiement. Et aujourd'hui, les enfants, même les enfants du primaire, on
vendent déjà des téléphones portables. Non, maintenant, vous aurez les cartes orange, s'il vous plaît. Vous aurez les cartes orange. Peuvent donc, à travers le test, s'arrimer à la modernité. Je voudrais vous prendre un exemple simple. Ouais. Moi, quand j'étais, il n'y avait pas ces moyens de transaction. Je servais dans mon restaurant 100 plats par jour. Et depuis que ce moyen de paiement existe avec Orange ou Mobile Money, je suis à presque 300 plats par jour. Pourquoi? Parce que les gens viennent, ils trouvent un endroit où on peut payer sa consommation de 1500, de 2000 par Orange Money. Nous prenons ça. Vous comprenez que il y a un effet d'entraînement. Et aujourd'hui, le monde a tellement évolué qu'il faille que les entreprises nationales s'arrivent à la modernité et aient un esprit d'anticipation. Si Express Union avait anticipé sur les moyens de paiement électronique, je crois qu'ils n'auraient pas connu tous les problèmes qu'ils ont connus. Donc, et en plus de ça, vous se demandez où vont les bénéfices. Moi, je dis que c'est vrai, Orange et MTN, il n'y a pas, on peut le leur reprocher, il n'y a pas un immeuble dans la capitale comme il y a un immeuble ART, comme il y a un immeuble Camtel que Orange ou MTN ont construit. Et ça, et il nous a donné des chiffres tout à l'heure, je crois que sa parole fait foi, qu'il y a 30% d'actionnaires et nationaux. Je crois que il faudrait que on encadre tout cela et pour que les Camerounais trouvent leur compte. Et au niveau de la sécurité. Et puisque vous voulez parler de sécurité, je vous pose une autre question de téléspectateurs. Ouais. Là, vous allez répondre une fois. Bonjour, parfait. Avec toute la faiblesse du système de sécurité de Orange, comment peut-on lui permettre de gérer les salaires des Camerounais qui peinent à joindre les deux bouts en temps normal? C'est Jean Blaise qui envoie la préoccupation. Orange est une multinationale. Parce qu'elle est multinationale, qu'elle a tous les systèmes de sécurité. Orange gère dans des pays à haute technologie et sensible les problèmes de salaire. Ce n'est pas le Cameroun où on a quelques 20 000 fonctionnaires. Vous faites comme si, pour l'instant, des gens, ils sont nombreux, qui avaient des fortes sommes d'argent dans leur téléphone portable, il ouvre son téléphone en bon matin, son argent a disparu. Vous êtes au courant de ça, M. Bidou? Je n'y crois pas. Vous n'avez jamais suivi? Non, je n'y crois pas. Oh là là. Je sais qu'il y a. D'abord, M. Assem, la sécurité. On parle là de sécurité. Je sais quand même que. Moi, je prends régulièrement le forfait. Hein, et je sais que quand je prends un forfait orange de 30 jours. Au bout d'une semaine, c'est la fille. Au bout du 10e jour, je n'ai plus de connexion. Et si on réplique cela sur 10 millions de personnes, ça peut vous permettre... Vous imaginez le bénéfice. Ça peut vous permettre d'imaginer la perte au niveau national. Maintenant, les bénéfices au niveau d'Orange. Où va cet argent? Certainement dans les poches d'Orange. Et ça, c'est les failles du service. Oui. Tout le monde connaît ça. Oui. Est-ce que fait Orange pour résoudre ces problèmes? La question que fait l'arrêter pour que les consommateurs communs ne vivent plus cela, c'est ça. Moi, je suis au niveau des constats. Je ne suis pas au niveau des solutions. Je dis ce que je constate en tant que consommateur d'un service. Tout à fait. On ne parlait pas du service. Hein. On parlait de l'argent gardé dans les ça, c'est un aspect. Mais ça, c'est un aspect. Je suis sur un autre segment. Les forfaits orange. On me dit, par mois, 1 giga, c'est 10 000 francs. Vous donnez 10 000. Au bout de 5 jours, vous n'avez plus accès à la chose. Il faut recharger. Vous imaginez que le mécanisme cause du tort à 10 millions de consommateurs. Et vous faites simplement 10 000 fois 10 millions, ça vous donne combien? Ça vous donne à peu près 100 milliards par mois.
qui sont susceptibles. Non, mais ça peut pas être aussi tous les 10 millions qui ont le même problème. Enfin, c'est un une projection. Elle peut être vérifiée, elle peut ne pas être vérifiée. Je vous assure, monsieur Noir, si nous faisons un sondage, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de réclamations. Mais pas quand même 100%. Ça fait même pas 50% pour moi. Monsieur, je vous remercie. Pourtant, il pense pas que ça passe. Non, tout c'est tous les transferts. C'est possible là-bas. En un mot, comme en mille, on attire quand même aussi l'attention des opérateurs locaux. Oui, il fait un très grand travail de sensibilisation pour déjà informer les populations, éduquer les populations sur comment utiliser ces services qui sont parfois nouveaux pour certains. Parce tout à que, fait. J'ai également la chance de faire ma thèse en France où j'ai découvert également que jeunes étudiants, vous arrivez, vous avez une carte pour vos actions et pour vos activités. Ce n'est pas encore le cas au Cameroun. Bon, nous, en tant que psychologues, le problème de fond maintenant, c'est la sensibilisation et l'éducation. C'est-à-dire, comment faire pour gérer son argent avec Orange Money. Actuellement, si j'accepte que mon salaire me soit viré par Orange Money, là, c'est la question de fond. Est-ce qu'il y a la sécurité? La première des choses, est-ce qu'il y a la sécurité? La deuxième des choses, est-ce qu'il y a la disponibilité des kiosques ou des cabines, et ainsi de suite? C'est ça la question de fond également. Imaginez, vous avez votre salaire dans votre Orange Money et que votre enfant soit malade. Il va falloir rapidement l'amener à l'hôpital. On ne vous demande pas de payer. En fait, il y a des hôpitaux qui n'ont pas encore capitalisé cette approche-là. Mais de plus en plus. Mais je prends la question à ce niveau d'abord. C'est-à-dire que vous arrivez dans ces situations, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, est-ce qu'il y a une organisation comportementale qui ferait qu'il y a une forme de permanence en termes de disponibilité des kiosques ou encore des cabines ou des endroits où on peut facilement pratiquer cette opération? Monsieur Bidou, on va vous répondre que Orange a géré là où c'était plus compliqué que ça. Maintenant, le téléphone qui a de l'argent, beaucoup de personnes vont se retrouver en train d'aller se laver dans les toilettes avec leur téléphone. Oui. Parce que de nos jours, il suffit de laisser votre téléphone, votre enfant prend bouge avec une petite manipulation et ça, après, beaucoup d'informations, beaucoup Il tombe sur le code de standard. Il tombe brutalement sur le code. Le problème, c'est vous qui n'êtes pas, vous n'avez pas votre téléphone. C'est non, attendez. Nous sommes dans un contexte général. Ce sont les approches particulières ou spécifiques. Le contexte général, c'est que. Dans ce contexte, le consommateur assure la sécurité d'abord de son terminal, donc de son argent. Parce que le plus consommateur va bien vouloir le faire. La vérité, c'est les risques au niveau du consommateur. Est-ce qu'on a suffisamment évalué les risques à adopter ce nouveau service Orange? C'est la question qu'on devait se poser. Très bien, c'est compris. La sécurité même assurée par ADN. Il nous reste pratiquement quelques minutes à passer ensemble. Oui, à moins d'une minute, monsieur. En l'état actuel du règlement, je suis pas sûr que les Orange pourraient faire des paiements de salaire. Parce que le texte dit que les opérations de paiement effectuées par les trésors publics sont exclues, n'est-ce pas, des services que peuvent proposer une société qui a créé comme établissement de paiement. Nous avons eu d'autres informations qui parlent justement des salaires, monsieur Noir. Ça a été non, moi j'ai ça, sauf que les salaires. La CA est une banque. C'est une banque. Non, ici, c'est sur l'établissement de paiement. Merci, les banques. C'est compris. Hein. Nous marquons une dernière touche aux pauses et ce sera certainement pour prendre le fait majeur de la semaine. Henri Séverin Assembeu, les Lions indomptables du Cameroun se sont qualifiés avec brio hier du côté du Maroc en ayant le dessus sur la formation tunisienne, 2-0. Au moment, nous pensions déjà que nos Lions étaient un tout petit peu en danger. Peut-être il faut féliciter nos Lions indomptables et en martelant également que notre dynamique Lion, Tchout Adjara, a été sacré. Comme c'est une dame, on va dire quoi, la fille du match ou bien l'homme du match? La femme du match. La femme du match. Appelez comme vous voulez. Il faut dire que toutes les planètes sont alignées pour le football camerounais désormais. Parce qu'avec Samuel Etoufis à la tête, vous voyez qu'il y a un ensemble de choses qui se régulent automatiquement. Ceux qui étaient dans le maquis qui sont revenus, la FIFA qui a fait preuve de beaucoup de courtoisie dans la gestion de ce dossier, les succès qui s'amoncellent, les Lions indomptables à la Coupe du Monde, les filles à la Coupe d'Afrique des Nations, et hier encore, cette victoire pratiquement inespérée, vous savez, avec deux matchs nuls. C'est évident que nous étions très bien partis pour la troisième place qualificative. Mais la victoire vient booster le moral, donner une plus grande crédibilité encore à l'action qui est menée. Et maintenant, moi, en tant qu'entrepreneur, je vois tout ce qui a capitalisé autour. Parce que chaque fois que vos actifs deviennent plus puissants encore,
votre capacité de négociation explose. C'est vraiment, tous les astres sont alignés pour que le football camerounais puisse, dans les 10 années à venir, devenir une machine économique très 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 puissante qui fera vivre plusieurs ménages et peut-être les 25 millions de Camerounais que nous sommes. Merci. Hein. Saint-Éloi Bidon, Assembe, nous fait comprendre quand même que depuis que le Pichichi est là, ça roule. La victoire des Lions, même si elle a été une extrémiste pour la Coupe du Monde. Maintenant, les Lions qui font pour l'instant une bonne figure du côté du Maroc en Coupe d'Afrique des Nations, pour ne prendre que cet exemple. Puisqu'on est dans les soupçons, je ne sais pas si M. Assemba a reçu mandat pour venir... pour venir faire quoi? Ce qu'il est en train de faire. Mais il fait une analyse. Moi, je dirais... Vous venez pour que... préparer pour le but de finale. Voilà. Je dirais, comme dirait un militant du MDPC, que c'est grâce à Paul Biya que Samuel Eto'o est devenu et puis que le Cameroun est en train... Non, je crois que le Cameroun a timidement démarré la compétition et je suis de ceux qui n'y croyaient plus, d'autant plus que l'équipe me semble être assez vieillissante. Ouais. Vieillissante. Il va falloir la renouveler. Pour la femme du match, je n'aurais pas donné ça à Chuta Diarra. Pourquoi ? J'aurais plutôt donné ça à une dame, la seule qui joue au championnat du Cameroun, mais qui s'avère être un personnage clé dans l'avenir du football féminin. Oui, peut-être Mademoiselle Ngoc. Dans l'avenir, elle lui donnera également ses lauriers. Mais pour l'instant, quand même, reconnaissons que Chut Adjara, c'est du star. C'est du nectar. Elle a du talent. Elle a du talent. Mais j'ai quelques craintes. Allez-y. La prochaine formation, c'est le Nigeria. La dame en question, Mademoiselle Ngoc, a reçu un autre carton jaune. Ils sont deux comme ça qui ont reçu des cartons jaunes. Elle est disqualifiée. Qui est disqualifiée. Mais je dis que le Nigeria a gagné 9 cannes féminines avec la même équipe. Elle est aussi vieillissante. Je crois que le Nigeria sera largement prenable avec ce que contre le Cameroun. Contre le Cameroun. Parlons encore de cette prochaine, ce prochain adversaire du Cameroun, le Nigeria. On sait très bien qu'en matière du football féminin, il n'y a rien à dire. Les lauriers parlent d'eux-mêmes et ce Nigeria-là a toujours eu pratiquement le dessus sur la formation féminine. Et c'est cette formation-là qui sera contre nous dans quelques jours. Vous pensez que les Lions peuvent avoir une chance? Mais tout le monde pensait d'ailleurs qu'ils allaient perdre contre la Tunisie. Donc, le fait que le Nigeria nous a toujours gagné ne présage pas d'une victoire prochainement. C'est pas une équation mathématique. Voilà, je pense que comme le disait quelqu'un, nos filles savent qu'elles sont en danger, donc elles ne sont plus en danger, tout simplement. Et nous attendons. Vous citez le grand Rigo. Voilà, nous attendons une victoire, tout simplement. Une première victoire contre cette équipe redoutable du Nigeria, tout simplement. Mais disons déjà bravo du fait qu'elles sont en quart de finale, c'était pas évident. Bon, c'est là, il ne faut pas se cacher que c'est très bien. Mais nous attendons tout simplement le trophée de la CAN 2022 au Cameroun. Très mais là, à ce moment-là, au moins, quand ça viendra, on ne dira pas que c'est du fait du président Paul Biya, parce que lui n'est pas là-bas. Mais monsieur, non, vous avez un autre problème. Hein? Alors, professeur Nubissier, parlons légèrement du coach hein, des Lions, monsieur Zabo, qui a été mangé pratiquement dans toutes les sauces après les deux premières rencontres des Lions. Beaucoup ont même demandé à ce qu'il soit viré. Maintenant, nous avons gagné. On ne parle plus beaucoup du coach. Est-ce que les Camerounais n'ont pas une manière archaïque de réfléchir? Est-ce que les Camerounais n'ont pas une manière de mettre une folle pression sur les coachs, sur les sélectionneurs? Ah oui, le problème, c'est que sont les enjeux émotionnels.
pendant les matchs de football, beaucoup d'émotions sont vécues. Et la joie, la tristesse, la douleur, la colère. Et après deux matchs nuls, l'émotion qui peut prévaloir, ça peut être la colère. Et quand les gens sont dans la colère, on commence déjà à victimiser les gens, à culpabiliser les autres en disant que bon voilà, est-ce que c'est pas le coach? Parce qu'on sait bien que quand une équipe de football ne joue pas bien, on accuse d'abord le coach qui est indexé sur le coach. Bon, cette accusation-là relève justement de l'expression de la colère et peut-être même l'expression du patriotisme, de l'amour pour le pays. Parce que quand on regarde un match et qu'on voit les Lions gagner, tout le monde est content. Ça présage un bon sentiment pour tout le monde. Bon, moi j'ai vécu cela et je me suis dit bon, voilà, il n'y a pas d'enjeu. Maintenant qu'il y a victoire, est-ce que ceux-là qui tiraient sur lui hier vont se replier en lui disant bon voilà, comme tu as pu qualifier l'équipe, on va t'observer en quart de finale. Bon, ce n'est qu'un processus normal. Il était assisté de ces jeux noirs. Oui, j'ai suivi le communiqué. Le nom voilà. Juste bon, sur le plateau. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a la victoire? Dans le champ émotionnel, lorsqu'il y a les émotions quelque part, La raison a du mal à s'imposer dans les émotions. C'est donc pourquoi dans la colère on peut dire n'importe quoi. Sport, que ces gens-là, que ces leaders du football sachent que lorsqu'il y a défaite, la colère peut prendre le dessus, on peut leur dire n'importe quoi. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme dominical. Il ne me reste qu'à dire merci à mes valeureux invités de ce dimanche. Merci à Justin Noir, homme politique, membre du MRC. C'est d'ailleurs le secrétaire général adjoint de ce côté-là. Ces rituels-là, vous transmettrez nos salutations au président Maurice Kamto, président du MRC. Et à notre centaine de militants qui croupissent encore dans les prisons FSC de M. Paul Biya. Transmettez-leur également nos salutations. Saint-Éloi Bidon, homme politique qui a été viré du RDPC, mais qui reste un homme politique averti. On lui dira merci. Merci, merci au professeur Claude Désiré Nubissier. Il est enseignant d'université, psychosociologue. Merci également à Henri Séverin Assembeu. Il est communicateur de formation, mais au jour d'aujourd'hui, il aborde plusieurs casquettes. Il est également expert en décentralisation. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est ce soir sur Info TV à partir de 21h. Dimanche prochain, 11h30, nous serons encore là pour décortiquer l'actualité de la semaine. Restez sur Info TV.